Donc là, euh, vous avez tous eu euh, un, un coup de téléphone euh, vous donnant rendez-vous en fait, pour une convocation au bureau du réalisateur de Van Skelsin le, le 8 juillet. Et euh, alors, sinon, au niveau des faits marquants, vous avez appris que dans les journaux, euh, la mort de, de Brian Jones, hein, l'ex-multi-instrumentiste euh, euh, des, des Stones, hein, qui venait juste euh, d'être viré de ce groupe. Voilà. Euh, et, Apparemment, il a été retrouvé dans sa piscine par sa petite amie, complètement inconscient. Et quelle époque Et ce n'était que le début. Il a été tué par les autres, c'est clair. Il bon, y, y a des rumeurs de ce type. Et pendant, c'est pas des rumeurs, c'est une évidence. Hein. Et pendant euh... bah, ces quelques jours, vous allez à faire des, des cauchemars des rêves toujours en rapport vers, avec carla wand que vous allez voir dans vos rêves euh, en flamme vous parlant ou alors vous verrez euh, le, le réalisateur euh, se suicider et euh, juste avant de se rendre justement au bureau devant ce qu'elle est vous allez pouvoir me faire un jet de, de santé mentale C'est William le meilleur. Donc tu as fait vingt 90 William hein 90 ouais. OK. Tu vas perdre un point de santé mentale. Pendant ces différents jours, d'ailleurs, euh, peut-être, Jeannette, que tu as recroisé Mary euh, Sheldon, euh, celle à qui tu avais euh, proposé une hospitalité, enfin euh, de l'héberger hein, le soir justement du, du drame, lors du tournage. James... Et puis là, vous vous rendez tous euh, en direction des studios. Excuse-moi, j'ai pas compris si, si moi je perdais de la santé mentale et si oui combien. Ah oui, c'est vrai que tu as loupé aussi. Tu feras des 4 pour savoir le nombre de dents qu'elle perd après. Tu perds un point de santé mentale. Également. Donc, vous arrivez au, au studio. Vous êtes accueilli euh, et on vous. Euh... De toute façon, vous connaissez euh, le, le chemin. Hein. C'est une, une grande salle hein, où il y a une grande table euh, avec plusieurs sièges. Vous retrouvez d'ailleurs euh, d'autres techniciens, d'autres acteurs euh, du film. Euh... Donc, on est d'accord, c'était dans le contexte de reprise du tournage, c'est ça hein. Ils nous avait dit qu'on reprendrait le tournage. Oui, voilà. C'était, disons, les préparatifs et. Euh... Avant de reprendre, euh, euh, disons, les, les prises. Okay. Mais vous savez pas encore à quel moment ça va se dérouler. Euh, probablement que ça va vous être annoncé. Vous arrivez donc autour de la table vous voyez euh, des têtes euh, familières. Bien sûr, où il y a Marie Sheldon, celle euh, qui joue le rôle de, de Cassie. Il y a aussi également Nina Eldelor, vous n'avez pas eu de nouvelles de sa part depuis l'interruption de ce tournage. Et sinon, vous voyez au bout de la table le réalisateur en van qui euh, arrive en, à chaque fois pour vous accueillir euh, et vous inviter à vous asseoir. Autour vous avez quelques techniciens, vous avez la script, euh, la maquilleuse, et vous avez aussi quelques, quelques visages qui... assez inconnus. Une femme euh, d'un certain âge, euh, blonde. Et, euh, et sinon, vous voyez aussi deux hommes. Euh, L'un qui a l'air d'avoir. Enfin, euh, qui a l'air d'être euh, un style assez. Euh, assez, euh, disons, jeune, les cheveux longs, une barbe. Et puis l'autre euh, est plus âgé, il doit avoir probablement la quarantaine euh, avec. Euh, un côté beaucoup plus, euh, beaucoup plus simple. Je vais vous faire apparaître les photos. En attendant. Bien, bah, merci à tous euh, d'être venus. Euh, je sais que c'était très compliqué euh, ces derniers temps euh, de, de pouvoir euh, se réadapter euh, à notre vie. Je sais que euh, voilà, vous avez tous eu euh, des, des pressions. Euh, certains ont reçu des, des menaces. Euh, euh, voilà ce qui explique. Euh, voilà, comme je vous l'avais expliqué à la fin des, des funérailles euh, de, de Carabrande, euh, que j'allais mettre en place justement un service de, de, de surveillance et de sécurité. Ce qui, ce qui explique la raison de. Je voulais vous présenter donc, euh, c'est Jim euh, Blasco qui est un détective euh, détective privé et son, son collègue donc euh, donc Arn euh, je vous présente Arnold Hull hein, donc euh, c'est euh, comme vous pouvez vous en douter c'est quelqu'un qui peut vite se fondre euh, dans la, dans la masse et voilà ils s'occuperont vraiment de protéger euh, le, le plateau dans la journée et, et voire même des fois ils feront des surveillances euh, au niveau de vos résidences dans la soirée euh, voilà donc si vous avez le moins de problèmes hein, vous pouvez les joindre euh, à toute heure euh, du jour ou de la nuit voilà si vous recevez euh, à nouveau des, des lettres de menaces euh, voilà vous pourrez les appeler euh, directement à, à ce numéro Ah, c'est parfait parce que moi, euh, comme vous le savez, c'est un bidon d'essence qu'on a laissé dans ma prairie, hein. une menace claire. Oui, c'est ce que nous a expliqué justement. Anton. Je tenais aussi à vous présenter donc euh, cette actrice, euh, Lara Mansell oui ben bonjour euh, bonjour à tous euh, j'aurais préféré en effet euh, voilà euh, faire partie euh, disons de l'aventure dans des meilleures circonstances mais euh, voilà quand on m'a proposé euh, ce rôle euh, et ayant une admiration pour, euh, pour Carla Brand, voilà j'ai décidé de, de reprendre ce, ce rôle ah, on, est, on est censé comprendre qu'elle remplace carla Brand exactement oui je, je vais la remplacer justement alors ce qu'explique Anton, c'est que ça va être assez contraignant, comme on l'avait évoqué justement pendant les funérailles, il faudra retourner certaines scènes. Euh, voilà, mais on essaiera d'en de retourner le, le moins possible, bien évidemment, hein, parce qu'on a quand même pour objectif de tout boucler pour euh, début août. Et, Elle ressemble euh... à quoi cette actrice par rapport à Carla Alors je vais vous montrer. Voilà, une nouvelle... Fiche technique à jour. Je vais vous montrer une photo d'elle un peu plus agrandie. Oula, faudra du maquillage. Tout de suite. Bah, pour qu'elle ressemble à l'autre. Oui, c'est pour ça qu'on va retourner les prises, hein. bien évidemment. Il... Encore Oui, mais ben. vous... vous savez, on, on, avec, les... avec les... mes assistants, voilà, on, va, on va ruser justement les scènes de dos, et bien évidemment, on va les conserver pour faire en sorte, euh, voilà, de... éventuellement, de, de remplacer certains gros plans euh, par euh, directement la, la ramance. Excusez-moi, Monsieur Foncélis, mais euh, serait-il possible d'avoir cette fois-ci les scènes dans l'ordre Parce que c'est très compliqué pour nous. Enfin, je, moi, je débute dans le cinéma et je, je, je n'ai jamais été confronté à ce type de situation. Vous comprendrez que ça devient extrêmement compliqué. Oui, je comprends tout à fait. Euh, bien, en tout cas, bon, ça ne dépend pas de moi. Euh, les scènes, elles m'arrivent comme elles m'arrivent dans le désordre, hein, comme vous avez pu le constater. Euh, voilà, je peux vous remettre, en tout cas, euh, euh, dès aujourd'hui. Euh, les, 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 les textes, les scripts voilà, pour, euh, pour le, le tournage qui va redébuter, -re reprendre euh, après-demain. Des, des nouveaux scripts, alors, des nouvelles scènes Oui, des nouvelles scènes, tout à fait. Hein. Vous savez, hein, les scènes, on les reçoit au fil de l'eau. Euh, on ne reçoit pas tout d'un coup. Euh, en plus, dans les désordres, donc, c'est vrai que vous avez du mal à vous repérer. Mais dans les, dans les grandes lignes, hein, euh, euh, William, donc. Euh, donc le révérend Neville, hein, euh, tu vas avoir en fait une scène avec, euh, avec euh, Mia, donc Janet, et euh, justement où elle va, euh, elle va se confier à toi justement, euh, par rapport euh, à, disons, à ces, ces moments assez tendus qu'il y a en ce moment avec, euh, avec sa famille, notamment en rapport bien évidemment avec l'héritage, et il va avoir un lien très fort qui va se créer entre vous deux. Excusez-moi, si je... Excusez M. Von Selsin, mais est-ce qu'un lecteur, cette fois-ci, va, va relire un petit peu ses scripts Parce que j'ai quand même eu l'impression que certains propos étaient assez particuliers. Euh... Ah mais de toute façon oui je, je vous les coffie hein, donc euh, après moi-même euh, vous savez qu'en général je suis assez indépendant hein, dans ma démarche de réaliser certains films, en tout cas mes propres films, mais euh, pour être clair avec vous, hein, euh, j'ai besoin d'énormément d'argent pour tourner mon prochain film où j'aurai une totale liberté, et c'est pour ça que j'ai accepté, euh, voilà, de la part de mon vieil ami William Saville de tourner... Euh, euh, ce film, euh, voire même on sait, c'était il y a un an aux Oscars hein, qu'on avait justement échangé là-dessus, euh, dans, dans le cadre d'un pari justement, où euh, il me donnerait une certaine euh, somme d'argent si j'arrivais à réaliser son film, euh, sans savoir de quoi il en retournait. Je Et... comprends, mais que, que signifie cette histoire de signe je, je vous avouerai que je suis un peu confus. Un signe, des morts, un squelette, je ne sais quoi. Oui, je sais. Euh, Madame Mansell. Euh... Je, je sais qu'il y a des choses assez surprenantes, mais euh, squelette, signe, euh, tu le vois, il, il, il réfléchit. Euh... Euh, oui, en effet, il faudrait, il faudrait que. Malheureusement, je n'ai plus les scripts sur la main, sous la main, mais je sais qu'il y avait certains passages assez déstabilisants. Après, j'ai du mal à me focaliser sur. à me rappeler justement ce passage avec le, le signe ou le squelette. Et euh... Maintenant, si vous me dites qu'une scène va se produire dans une ferme peut-être hein, ça... bon on verra bien mais j'aimerais savoir pour ma part quel rôle quel, quel lien va s'établir entre Mia et moi enfin entre moi et Mia et le révérend ah, ça va être des liens euh, au début de, de confidence et puis après ça va se transformer plus en, en amourette d'accord. Il y aura aussi... On est vraiment... Oui, une petite amourette. Vous savez, avec on est un peu eh oui. Froid. Eh oui, vous savez, dans les soap-opéras, on peut tout se permettre. Ah hein. oh bah dis donc, avec un personnage âgé, ok Vous, vous, êtes, vous êtes bien prudent, Adrien. C'est pas de la pruderie, c'est juste que les rapports avec des hommes de plus de 50 ans me semblaient tout de même aller au-delà des, des, des clichés concernant notre époque, mais... Pourquoi pas eh bien, puisque c'est écrit comme ça dans le script, jouons-le comme ça. On enfin, pas ce qu'il y a de, de dérangeant. Euh, à, bien, à moins, bien sûr, que vous vouliez prendre euh, le rôle du révérend et jouer avec Mia. Non, bien sûr. Veuillez m'excuser pour mes propos. Et, et moi, alors, du coup. Ça, ça ira très bien avec vous, William. Je suis sûr que nous arriverons à, à projeter l'illusion. Vous Oh ben, si vous le faites aussi bien que vous ne cassez vos vases. Et concernant mon rôle, Monsieur von Selsin. oui, oui, dites-moi. Eh bien, que va-t-il se passer Vous avez une idée de ce que va devenir le fils de Walt euh, En fait, euh, alors, ce qui va se passer, c'est que, euh, voilà, vous allez avoir un, une euh, une liaison justement avec euh, avec Adicia. Qui est la femme d'Arthur. Et euh, suite à cette liaison, il va y avoir une, une scène de, de bagarre entre, entre vous et, et Arthur. Bah, du coup, je regarde Nina El Dolor à ce moment-là quand il, il, il raconte ça. Tu la vois, tu peux me faire un jet de, de toc en même temps. Non. Elle est en tout cas euh, assez. Euh, elle paraît assez assez bien en tout cas. Elle n'a pas l'air assez éprouvée euh, par rapport euh, aux, aux autres euh, aux autres membres justement de, de cette équipe. Par contre, vous voyez que Mary Sheldon, euh, elle se ronge euh, les ongles et euh, elle euh, elle bouge. Euh, Très répétivement, disons à la jambe qui tremble. Et on la voit souvent, elle fait des soupirs, euh, comme pour évacuer une angoisse. Et puis sinon, euh, pour continuer, alors je vais vous remettre juste, euh, voilà, le, 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 la nouvelle scène, les nouvelles scènes à tourner. Euh, voilà, on vous remet à chacun justement ces, ces scripts. Et quant à l'oncle Walt, euh, voilà, tu auras une scène avec Regina justement pour, euh, pour faire un point justement sur, sur la famille. Euh. Et puis ensuite ça se terminera par un grand repas de famille. Euh justement, ou euh, d'ailleurs euh, l'oncle Walt, tu, tu seras en, en tout cas en train de prendre en dérision euh, euh, cette scène que tu vas voir, où tu vas assister, où tu verras tous les intervenants de cette famille en train de se déchirer, euh, et euh, tu essaieras justement de, de, de calmer euh, la, la pression en, en sort, ressortant euh, quelques, quelques blagues, quelques humours, en prenant ça à la dérision. Bien, j'espère que en tout cas, euh, vous... ça, ça va pouvoir aller. Euh... En tout cas, je vous, a... voilà, je vous attends tous donc pour le pour après-demain, voilà, pour reprendre euh, ses rôles, vos rôles, et euh, pouvoir terminer ce film. Et, euh... et puis bon, je, je sais que voilà, c'était très difficile pour vous en ce moment, donc euh, il y aura une, une prime supplémentaire euh, par rapport. à... Euh, à ce qui a été convenu au niveau de vos contrats, donc je vous recontacterai euh, voilà, personnellement pour en discuter. Parfait. Ouais, mes yeux petits. J'en profite pour observer les deux gars de la sécurité tout de même. Ils n'ont pas prononcé un mot, ils ont. Alors euh, ils t'observent en tout cas. Euh, ils ont l'air de surveiller. Euh. Autour, ils regardent par la fenêtre, euh, si tout se passe bien. Euh... Ils sont armés Tu vois en effet, oui, qu'ils qu ont un pistolet avec eux. Ok. Euh... Je vois que vous regardez ces, ces hommes, Adriane. Je, je ne sais pas si c'est rassurant de les voir ici. Non, ça me rassure pas. Je... Vous avez vu, ils sont armés. Oui, ils sont si armés. On mais a l'impression. Il ne de... faut pas oublier que les menaces que nous avons reçues, nous les avons reçues aussi chez nous, quoi. Et je, je suppose que ces hommes ne vont pas nous suivre jusque chez nous pour pour voir si si quelqu'un vient nous attaquer, essayer de brûler notre maison ou notre appartement. Enfin. C'est une bonne question, je, mais j'ai peur qu'il devienne chez nous, justement. Je suis, je suis assez inquiet euh, quant à, à la tournure des événements. J'espère que la suite de ce film va bien se passer et que, que le fou qui, qui nous a menacés, qui devait certainement être euh, un ami de Mary Sheldon, est euh, passé à autre chose, enfin. Eh bien, espérons que vous ayez raison, James, mais et cette Lara Mansell, vous la connaissez Vous savez d'où elle vient Hum, Est-ce que je la connais? est que j'ai eu l'occasion de tourner avec elle? Est-ce que tu tu sais qu'elle qu a tourné dans des films euh, euh, fantastiques, euh, euh, horrifiques euh, dans les années 50 euh, en Angleterre? D'accord. Euh, tu Mais peux me qui, faire sinon un jet eu... de? Alors je vais regarder ce que tu peux me faire comme jet. J'avais une connaissance de du milieu, un truc comme ça, contact Hollywoodien. J'ai. Ouais, tu peux me faire un jet là-dessus. Mais vient-elle d'Hollywood, justement Ah bah non, oui. Donc c'est pour ça que je ne sais pas grand-chose. Non, mais en tout cas, vous l'avez, euh, euh, certains d'entre vous l'ont aperçu, oui, dans des films un peu de, de, la, de la Hammer. Voilà, avec... Oui, mais justement, ça m'inquiète davantage, parce que je ne vois pas le rapport. Je ne vois pas ce que vient faire une actrice de film d'horreur, enfin, ou de série Z. Euh... Alors c'était dans les années 50, hein. Où elle a... Ouais. Il est apparu. Bon, note à moi-même, je vais aller l'interroger. C'est une jolie fille, enfin c'est une femme de... Du coup, c'est une femme de quel âge Elle a quel âge, grosso modo elle a, elle a une elle a quarantaine d'années. Oui, quarantaine, une fin de quarantaine, début cinquantaine. D'accord. Ok. Euh, Adrien, j'espère que ça va mieux. Vous avez eu un petit accrochage, j'ai appris ça hein, dans, ce, dans ce restaurant où vous avez oui, l'habitude oui, oui. d'aller. Je, je, je vous avouerai que la prime que vous me donnez va pouvoir me servir. Eh bien, j'en suis satisfait. Il faut que vous ayez le, le plus beau sourire. Voilà, Vous, êtes, ouais, vous avez sûr. quand même le rôle. Vous devez séduire et qu'on doit avoir une passion entre vous et et Alicia. Oui, Nina, qu'en pensez-vous Je pense que on va pouvoir briller, non oh, J'en suis persuadé, j'en suis persuadé. Bon. Tu vois qu'elle est, est elle un, peu, droit, elle est un te... peu timide, un peu introvertie. Elle, en tout cas, et tu remarques d'ailleurs en elle qu'elle touche sa petite croix du Christ qu'elle a autour du cou. Oh mon dieu d'accord elle te fait un petit sourire mais voilà ok très bon retourne et bien il va falloir qu'on travaille euh, peut-être en amont ces scènes alors bien si oui de toute façon il faudra qu'on qu répète mais déjà bon je vais, je vais m'imprégner du voilà de, de mon texte et puis euh, de toute façon on se retrouvera pour euh, pour répéter Bien sûr. Et puis, on va peut-être commencer par notre mort avant de commencer par notre relation, vu l'ordre dans lequel nous jouons ces scènes. Oui, c'est vrai que je n'y comprends absolument rien. Voilà, c'est. Mais bon. C'était un vu où on est payé. Euh... Voilà, je veux pas. J'ai voulu poser des questions, et vous savez, le réalisateur, il n'en dit pas plus. Hein. Oui, oui, euh, c'est il... quelque chose. Oui. Après, personnellement, je pense qu'il ne doit pas en savoir plus que nous. Et comment allez-vous Parce que du coup, nous ne vous avons pas vu depuis un petit moment. Euh... Oh, je vous suis allé. En... Oui, oui, heureusement, justement, le, 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 le Père Collins euh, m'a soutenu, justement, ces moments difficiles. Je vais à l'église euh, très régulièrement euh, et c'est la foi qui m'a aidé à surmonter euh, cette épreuve difficile. Vous êtes très pratiquante Ah oui, oui, oui. Je... Et vous, vous ne l'êtes pas euh... Du moins, vous pratiquez quelle religion euh ah, je, je, je pratique mon auto-religion. Je, je crois beaucoup en moi-même. Je, je ne demande qu'à croire en un Seigneur, mais je ne l'ai pas encore vu. Donc, euh, n'y voyez pas d'offense, euh, ma chère Nina. Eh bien, ça me surprend. C'est vrai que maintenant, c'est la tendance. Mais, mais bon, le, le Seigneur euh, vous sauvera. Mais je serais ravi se d'en parler avec vous un de ces soirs si vous le souhaitez. Oh, peut-être que vous pourriez venir avec moi à l'église, voir justement euh, vous présenter justement, mon... voilà cette église à laquelle je vais très régulièrement euh, et vous. Bien sûr. Les... Et vous, vous habitez où Vous êtes dans quelle paroisse du coup Ah, je suis justement à l'église de Saint John the Baptiste. D'accord. C'est aux alentours de, de Los Angeles. Et d'ailleurs, vous pourrez peut-être me voir euh, participer au cœur de, de l'église. C'est ce que j'allais vous demander, tiens. Je pensais bien qu'avec votre voix, vous seriez capable de, de nous entonner de sacrées mélodies. Je, bon, même si le, le père Collins voilà, m'a déconseillé de, de, de retravailler, euh, et puis voire même de participer au cœur en ce moment, voilà, je vais quand même essayer d'y revenir, et voilà, il ne pourra rien me refuser de toute façon. Oh, et puis, vous savez, c'est votre vie, Nina. Hein vous devriez peut-être de temps en temps venir avec nous, euh, ça nous arrive de sortir boire un petit coup après le, le, les tournages. Oh, vous savez, ces endroits mal fréquentés, je sais où vous allez et voilà, je, je préfère vraiment me confesser à l'église. Et puis je vous demandais, puisqu'on est dans le ton de la confession, ma chère Nina, euh, avez-vous fait de mauvais rêves ces derniers temps euh, Oui, 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 en effet, j'ai fait d'affreux rêves. Oh, Peut-être que vous voudrez bien les partager avec moi. Oui, oui, nous en reparlerons, euh, nous en reparlerons plus tard. Euh. Euh, je, je, vois vous avez, je vois vous échanger entre vous. Euh, vous avez peut-être des, des questions, je ne sais pas, d'ordre technique, avec des agents de sécurité à leur poser. Euh, peut-être des questions sur. Euh, bien sûr, sur le film, c'est assez décousu, hein, comme vous avez pu le constater. Mais je vous invite à lire le. Voilà, bien répéter votre rôle. Et puis voilà. Après, j'essaierai je, de répondre. Euh, du mieux que je peux, euh, voilà, à vos attentes euh, en termes de, de scénario, même si c'est, je comprends, très compliqué. Est-ce que je peux euh, aller voir euh, Marie Sheldon Elle est autour de la table, hein vous êtes tous autour de la table. Concrètement, euh, je me rapproche d'elle et je lui dis Ça ne va pas, Marie non, non, c'est. C'est difficile en ce moment. Euh, tu constates qu'elle a une haleine. Euh, on a vraiment l'impression qu'elle a qu'elle a bu un bon verre ce matin avant d'aller euh, travailler. Voilà, oui, je... c'est vrai que c'est difficile et en ce moment. Tu, je tu fais des cauchemars Je, je n'arrive quasiment plus à m'adormir. Je chaque soir je, je revois cette pauvre caraante dans mes rêves euh, comme si de rien n'était continuant à, à jouer euh, son rôle et tout en étant euh, train de, de faire une train de se consommer euh, de prendre feu euh, c'est très difficile et, et je revois ces scènes, euh, ces scènes là euh. et, et toi d'ailleurs Jeannette tu vois aussi ce, ce même type de, 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 de cauchemar hein. tu fais des cauchemars oui. assez similaires hein. Tu sais, je. Je... Moi aussi, je fais des cauchemars comme ça, je me demande si on ne devrait pas aller voir un, un psy. Euh... Ça nous aiderait sûrement. Après un psy, c'est assez cher. Hein. C'est très très cher. Euh... Je... je... Je ne sais pas, je ne sais pas quoi en dire. Euh... Je pense que ça va passer avec le temps. Euh... Vous avez euh, Anton qui entend votre échange, euh, mais sans vous regarder euh, précisément, hein, euh, sachez qu'en tout cas, si vous avez besoin d'un psychologi soutien psychologique, euh, bien entendu, euh, nous avons euh, dans nos studios euh, euh, voilà une psychologue qui pourra vous apporter assistance euh, si, si besoin. Bon, du coup à la fin de la réunion j'irai lui demander l'acte de la psychologue. D'ailleurs, c'est quasiment la fin de la réunion. Euh, voilà, bon, on, on va arrêter la réunion euh, maintenant. Donc si vous avez des personne questions. Personne n'a posé des questions sur le protocole de sécurité. Parce que, du coup, je parlais avec, euh, je parlais avec euh, Miss Eldolor, euh, mais, euh, mm. mais du coup, si personne ne pose la question, moi je, je vais quand même poser la question. Euh, mais alors du coup, le, le protocole de sécurité euh, consiste en quoi quelle est l'habilitation de messieurs eux les... Ah, ils font partie d'une agence... Euh... Ce sont des détectives privés, donc. Ils ont oui, été et vraiment ils vont embauchés voilà, pour... À vous... quel point, monsieur Funksetzin euh, Pour vous protéger, justement. Ils sont armés. Euh, et euh, voilà, suite à ces menaces que vous avez eues, justement, euh, si le moindre individu arrive, euh, voilà, pour faire euh, le mal que ce soit, ils seront là pour, euh, pour vous protéger. Ils ont été embauchés pour... C'est parfait. Euh, je souhaite d'ailleurs qu'il passe euh, euh, peut-être euh, euh, à plusieurs reprises euh, à nos domiciles pour, pour contrôler ce qui se passe, particulièrement chez moi, qui était directement menacé par ce bidon d'essence. Alors Matt, euh, oui, alors pour toi, moi je, je ne tiens pas à ce, que, à ce que ces messieurs viennent à mon domicile, mais... Eh bien, fort bien, je parle pour moi, de toute façon, effectivement. De toute façon, messieurs, on n'impose absolument rien. Euh... En tout cas, je... je passerai justement ce soir pour faire une ronde directement autour de votre domicile. C'est parfait pour ce qui me concerne. Mais je voilà, le plus but c'est que. Les bienvenus. que... Plus que les bienvenus. Le but du jeu c'est vraiment que vous vous sentiez vraiment en sécurité. Et que... Voilà, on m'a raconté un peu ce qui s'est passé. Ça peut être justement. Euh... Enfin, c'est. Est-ce que vous avez vu quelqu'un euh, précisément qui s'est introduit dans votre maison Est-ce qu'ils étaient plusieurs euh, euh, je, je vois par exemple euh, vous, euh, Monsieur Kartwitz euh, ou Monsieur Cordon. Est-ce que vous avez pu voir euh, de différentes personnes qui sont introduites chez vous Eh bien, moi, je, enfin, je n'ai pas vu, mais euh, le gardien de, de mon immeuble, de la résidence, a dit, a cru voir une, une jeune femme. Mais euh, bon, je, je pense que c'est quelqu'un qui a été euh, qui a été payé pour euh, venir casser une de mes vitres. Euh, euh, une jeune femme à voir, pour ce qui me convient, c'était un jeune homme, mais aux cheveux longs. Euh, c'est peut-être euh, votre gardien qui a confondu ce jeune homme avec une jeune femme. Les cheveux. Peut longs. Peut-être mmh. aussi, oui, effectivement. Enfin voilà. Euh, le fait est que nous sommes menacés chez nous. D'abord et avant tout, il est essentiel, messieurs, que vous passiez, je le répète, hein, en tout cas chez moi, vous faites à votre guise. Vous avez je tout souha... à fait raison, hein, mais de toute façon, oui, je vais passer euh, voilà, pour euh, voir, euh, voir autour de votre propriété ce soir. Et en effet, c'est absolument inadmissible hein, que ça soit, bon, ça doit être probablement, euh, c'est hippie. Donc, euh, on essaiera de, de les repérer, et de les dénicher, et puis. Euh, voilà, de toute façon, on travaille aussi en... On est en contact avec, euh, avec le lieutenant qui s'occupait de l'affaire, justement, euh, au sujet de ce dramatique accident. Donc euh, vous inquiétez pas, si on a besoin de renfort, on saura le, le contacter directement. Parfait, parfait. Oui, après, euh, bon, ça fait déjà euh, quelques temps maintenant et. Euh, on n'a plus, plus de menaces, quoi. Donc euh, c'est peut-être quelque chose qui est derrière nous. Enfin... Oui, en est effet, sûr. vous n'avez pas eu de menaces depuis. Hein. Vous, vous, avez. Euh... Non, non. Vous... À part ces deux événements, ces deux faits, vous n'avez pas eu d'autres menaces. Après dois-je vous rappeler, messieurs et, et mesdames, que la menace indiquait que il fallait arrêter de tourner le film et que le film n'était pas, enfin, avait, le tournage avait cessé. Les menaces peuvent aussi reprendre après la, la reprise du tournage. Précisément, c'est ce que je viens de dire. Le tournage était interrompu. Maintenant qu'il reprend, euh, le risque reprend de plus belle. Euh, je vous l'avoue, j'ai des craintes, j'ai peur. Mais. Ce que je me demande, c'est pourquoi, pourquoi l'un seul d'entre nous a, a eu ce message, puisque William et moi, moi je avons reçu une visite, puisqu'il a eu un, un jerrican d'essence et que j'ai eu des allumes-barbecue, mais nous n'avons pas eu de message avec cela. Oui, je ne sais quoi vous dire. Je, je l'ai encore avec moi. Je tenais, messieurs, je vous le montre. Je n'avais pas averti la police au moment où je l'ai reçu. J'avais peur que cela euh, nuise euh, au tournage. Et puis, comme on m'a dit que c'était une jeune femme, j'ai pensé une droguée. Ou... Ah, euh, voilà. Regardez. Mais mon avis, c'est que ce doit être euh, une fan qui est triste de la mort de son actrice préférée et qui. Euh, et qui ne veut pas voir que voilà, enfin, euh, qui ne voulait pas voir à ce moment-là que, que le, le, le tournage euh, euh, puisse reprendre. Je suis d'accord avec James. Nous sommes effectivement les porte-parole d'une génération et, et, et nous, nous avons beaucoup de, nous portons beaucoup d'espoir sur nos épaules pour tous ces fans. En tout et cas, bon, ça doit être euh, ça doit être euh, des, ces personnes-là doivent se, se connaître. Euh, visiblement, ils sont probablement deux. Voilà, comme vous l'avez indiqué. Euh, bon, on essaiera. En tout cas, on a noté justement les descriptions que vous avez faites sur, sur ces individus. Bon, la fille, c'est vrai que c'était très très vague finalement. Euh, ça manque de, de précision, mais euh, voilà. Bon, on... puis bon, c'est vrai que les hippies maintenant, euh, voilà, tous les jeunes sont habillés de la même manière. Ça va être difficile de les retrouver, donc il faut vraiment qu'on parle d'une femme, pas de hippie. S'il vous plaît, il s'agit pas d'ostraciser une quelconque catégorie de personnes, mais oh, vous savez, moi, dès qu'on parle de, de jeunes femmes, euh, euh, voilà. Euh, moi, je me dis que la jeunesse, c'est tous des hippies, euh, mais, euh, mais vous avez raison, hein, ça peut être. Euh... Il faut que j'arrête avec mes préjugés. Et je le regarde en faisant un grand sourire. Bien, en tout cas, bah, je vous propose d'arrêter la, la, la réunion. En tout cas, moi, je suis, euh, je reste disponible. Voilà, vous pouvez vous servir du... il y a du café. Euh, voilà. D'ailleurs, vous avez servi au milieu de la table, plein de beignets, de donuts, tartes aux cerises. Vous voyez que certains, en tout cas, n'ont rien touché. Hein. Marie Sheldon n'a touché à rien du tout. Elle a pris euh, uniquement du café. J'en ai pas pris non plus, moi. Je... Juste par méfiance qu'autre chose ou superstition. Je, j'ai tout laissé. Ah, moi, c'est le contraire. On... J'en ai pris beaucoup. L'accessoiriste aussi, euh, à... on a pris vraiment. Euh... Et ben, c'est précipité sur les beignets. Moi, je m'en suis baffré un maximum. Moi, j'en ai pris un, mais j'ai joué avec. En fait, je ne l'ai pas vraiment mangé. Moi, par le café, je n'ai voulu... touché à rien. Je suis un peu... peu inquiet. Ça m'a coupé l'appétit. En tout cas... Euh... Que, ce que je vous propose, donc, c'est euh, voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, euh, je vous dis à tous euh, rendez-vous le après-demain. Excusez-moi, moi, Et... moi j'ai une dernière question puisque vous avez parlé de prise en charge psychologique. Est-ce que mmh. vous prendriez aussi également en charge les, les soins de, de santé dentaire Ça me semble important d'avoir des acteurs euh, au top de leur forme. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez, monsieur Ponselsine euh, je vais voir ce que je peux faire justement. C'est dans le cadre de ce film, donc euh, c'est fâcheux que vous tombiez sur un dentiste euh, un peu amateur. Donc euh, je, je vais voir justement. Tiens, euh, Sarah, euh, est-ce que vous, je crois que vous connaissez ce dentiste euh, pas loin d'hollywood Boulevard euh, Voilà le dentiste des stars. Je veux vraiment le meilleur pour euh, pour Adrienne et le, le plus beau sourire euh, pour euh, la prochaine prise. Merci monsieur. Je, pense, je vous en suis reconnaissant. Sarah regarde dans ses calepins et puis elle te donne l'adresse de ce dentiste. Super, je note. Bien, et eh bien je crois que vous nous aviez indiqué pour après-demain, c'est cela Oui, pour après-demain. On, on rendez-vous donc euh, euh, directement sur... Euh... Sur le plateau numéro 3 comme d'habitude et nous commencerons assez tôt dès Des... 7h du matin faut qu'on rattrape le temps perdu et on recevra notre script ah, euh, ah mais ce vous l'avez hein. vous l'avez là de toute façon vous ah, pouvez pardon, commencer à... Okay. à répéter ok bah du coup je, je jette un petit coup d'œil rapide bah, c'est ce que j'ai fait c'est j'ai relu le script pendant que tout le monde parlait et je, je, je pense toujours à, euh, à l'hallucination que j'avais eue en voyant le, le, le show à la télé dans lequel il y avait. Euh, il y avait. Euh, ça s'appelle euh, L'actrice qui brûlait. Oui. Ouais, Aide Sylviane Cho. Oui. Bah, vous parcourez comme ça en, en diagonale. Hein. Vous voyez en effet les, les quatre parties justement. Euh... De, de ces nouvelles scènes à tourner euh, la prochaine fois, ça se déroulera bon après sur sur plusieurs jours, mais en tout cas oui voilà vous voyez dans les grandes lignes ce que vous a indiqué Anton. Ça fait quand même plus, euh, plusieurs dizaines mmh. de pages. Et vous avez chacun après, on, on dialogue. A les scènes de tout le monde ou uniquement les nôtres pardon. Alors vous avez les scènes avec ceux avec qui vous allez euh, vous allez interagir. D'accord. Donc, je ne sais pas, par exemple, ce que disent le révérend ou mon oncle Walt, sauf si j'ai des scènes, euh, si je leur parle, quoi. Voilà, exactement. Et là, dans ces cas-là, as leur dialogue, directement. Ok. Bah, je ne suis pas ton oncle, je suis ton père. Non Oui, oui, tu, tu es son père. Mais... Ah oui, oncle Walt, oui, ouais. je suis ton père, oui. <laughs> je suis ton fils. Moi, hein. tu es mon fils. Enfin, <laughs> Adrian. Non, mais. vous monsieur pof Adrian, vous pensez beaucoup à vos dents, mais vous ne pensez pas beaucoup à l'histoire New script. Eh bien, je ne oui, voilà, pense soir, pas du tout. Euh, Monsieur Silversmith. Vous comprendrez que c'est pas simple pour moi, mais je, je suis preneur de vos conseils, hein, aussi bien les vôtres que ceux de, de ceux de mon père. Eh bien, commencez par apprendre votre script. Ensuite, euh, la danse pourra se s'arranger au, au montage ou pendant le tournage. Pas bien grave. J'ai connu bien pire. Bien sûr. Voilà ce qu'il y a à apprendre des acteurs amateurs venant de la publicité. C'est pas très gentil, papa. T'as euh, Nina qui s'approche vers toi, Nrian. Bien en tout cas, si, si, si tu le souhaites euh, cet après-midi, je vais aller euh, je vais aller à l'église. Euh, voilà, si tu veux te joindre à moi. Oui, bien sûr, je veux bien voir euh, le père Collins et, 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 et voir peut-être. Euh, je te verrai peut-être chanter. On va répéter, du moins. Bien, c'est parfait. Eh bien, oui, je passerai, oui. À quelle heure Oh là, euh, on... je vais aller déjeuner et puis euh, j'irai en début, euh, j'irai à peu près vers 16h. D'accord, bah, nous pourrions peut-être déjeuner ensemble si tu le souhaites. Ah bah, C'est une très bonne idée, oui. Très bonne idée. Ça nous donnera l'occasion de discuter. On a, on a eu peu d'occasions de discuter jusqu'à présent et, et je trouve que ce serait bien que nos personnes, aussi bien dans la vraie vie que puissent apprendre à se connaître. Ça nous permettra une meilleure scène. Je suis sûr de, de rendre plus vivante la scène qu'on qu nous a. Oui, on pourrait déjà regarder. En effet, on pourrait, ça pourrait, voilà, si ça peut aider justement qu'il y ait une certaine complicité entre nous. Oui, moi, je trouve que c'est très important. Oui, mais attendez, vous n'avez même pas encore regardé si vous avez de scène ensemble. Euh, euh, Parce que si, on aurait dit que j'avais une relation avec euh, Alicia. Oui, j'ai observé des ça amateurs, justement. Des amateurs, tout cela. Ce sera très rapide. J'ai vu qu'en effet sur ma partie, euh, on devait échanger euh, voilà, quelques mots d'amour et puis il y aurait un, un, un baiser. Et Alors. Vous à... Voyez James. Et mmh. Suite à cela, je vois que Arthur apparaît et justement il commence euh, bien évidemment à s'énerver. Et... Qu'est-ce que je sens chez James mmh. quand, euh, quand du coup elle me propose ça? Euh, rien du tout, juste du professionnalisme. Mmh. Il euh, a peur que tu te tempêtes dans une relation qui ne serait pas euh, bon pour le film. D'accord. En tout cas, je passe te prendre vers les 12h30, peut-être, Nina. Oui, oui, de bah, toute façon, je vais rester. Je... Je rester aux alentours et puis euh... voilà je vais aller faire quelques achats et puis après on voilà je retournerai chez moi j'habite ici tu peux venir me chercher directement et on pourra Bien se sûr. rendre directement à l'église donne moi ton adresse et voilà, ça sera et puis plié. manger un petit truc au passage Parfait. voilà te donne son adresse tu elle est, elle est posée quoi tu vois qu'elle n'est pas nerveuse mmh. euh aussi euh, angoissée que, que Mary, Mary Sheldon, Sheldon ouais. qui a les yeux grands ouverts, qui a eu les yeux grands ouverts d'ailleurs durant tous vos échanges avec Anton, et qui est restée complètement silencieuse. Il ouais, y a Lara et Mansell qui. Lara Mansell, elle euh, a quoi comme attitude Bien, on arrive justement vers vous. Bien, ça me fait en tout cas plaisir de. Voilà, de participer à ce film avec vous euh, il va falloir que voilà on, on reprenne ça euh, assez rapidement comme le disait anton euh, ça va pas être simple voilà bon on essaiera de toute façon de, de répéter euh, euh, bien entendu avant la scène moi je vais essayer d'arriver euh, comme ils veulent com commencer à tourner à partir de cette heure mais bon moi après j'ai pas forcément des scènes avec vous tout de suite mais euh, voilà ceux qui n'ont pas de scène euh, à jouer dans la matinée, voilà. On pourra commencer à essayer de, de commencer à répéter ensemble pour voir si euh, voilà la chimie euh, passe bien, bien sûr. Il euh, y a beaucoup de pression sur vos épaules, j'imagine, mmh. madame Mansell. Bah, disons, oui, ça s'est fait vraiment au, au pied levé, et puis euh, voilà. Mais bon, j'avais euh, je l'avais senti, je l'avais senti vous... que j'allais avoir un rôle euh, assez rapidement. Euh... Vous savez, je, je, crois, euh, je crois justement euh, au tarot. Euh, et ah bon? Quand, quand je suis arrivé ici, d'ailleurs, j'ai ressenti voilà, des, des ondes assez, assez malsaines, assez fortes, mais il fallait s'en douter, bien évidemment. Et vous connaissez Monsieur Savy Comment avez-vous été prise sur. Euh, ben, comment avez-vous eu le rôle? Ah, j'ai directement. Euh, était contacté par son assistante. Je ne l'ai pas eu en personne directement. D'accord. Vous, et vous aviez fait un casting euh... Alors, j'avais effectué en effet un casting euh, justement dans, dans une agence. Et puis il y avait une intermédiaire qui était là. Monsieur Saville n'était pas présent. Et justement, il y avait Carla Brand qui, qui était là, qui avait été retenue. Ça s'est joué à rien, mais voilà, peut-être que l'expérience et, et, et le côté froid de Carla l'ont emporté sur moi. On peut dire dans ce cas-là que la mort de Carla vous sert bien. Excusez-moi, je voulais pas vous... C'est assez euh, direct. Excusez-moi, oui, je, je vais reprendre mon expression, mais du coup, euh, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Tant que vous... Adriane, je pense que vous devriez vous arrêter là. Je crois que, que vous allez dire plus de mal que de bien si vous continuez. Je crois, je crois que vous avez raison. Euh, je m'excuse. Ouais, J'étais en train ouais, de il, il, il était détective privé avant de se brosser les dents. Tu vois en effet qu'elle a un, un regard quand tu lui as dit ça, bien évidemment, assez outré et très surprise. Adrienne, et d'ailleurs vous tous. Ouais. Adrienne d'ailleurs, tu, tu as des, des flashs. Euh, quand tu vois son visage, tu vois euh, instantanément euh, comme des passages coupés euh, dans, dans un film enfin des, des, des images qu'on va introduire dans des films justement euh, mais très rapidement euh, tu vois le visage de karin Brand qui apparaît très brièvement Hop. bien je vais arrêter de dire des sottises et j'espère que cette introduction n'aura pas été la, la pire qui soit et en tout cas je vous souhaite bon courage madame Mansell et un bon courage en tout cas à vous tous, euh, ça m'a fait vraiment plaisir de, voilà, de vous rencontrer. Et, euh, et donc euh, voilà, je vous dis tous euh, rendez-vous après-demain. Euh, je vais commencer à, à travailler mon script. C'est une personne qui a l'air très sûre d'elle-même, non Ah oui, oui c'est une professionnelle de, dans, dans le métier. Euh. Elle a l'habitude, euh, ça fait depuis au moins euh, une bonne vingtaine d'années voilà, qu'elle qu joue. Hein. Elle avait euh, même commencé, alors euh, quand elle a eu une vingtaine d'années, là, elle a, été, euh, était quand même une... elle a eu beaucoup de rôles, beaucoup de propositions, mais elle avait déjà commencé euh, à 15 ans sur, euh, sur les planches. Non, mais je veux dire, elle a, con... elle a conscience de son, de son talent, c'est ça, parce qu'elle a l'air d'être assez certaine mmh. d'elle. et. Et du coup, elle, elle s'insère dans une équipe avec beaucoup d'assurance, quoi. Enfin, elle, oui, elle tu le ressens ça, qu'elle qu n'a qu pas euh, voilà, de doute sur ses capacités à jouer, quoi. Et qu'elle a beaucoup d'expérience dans ce métier. Ok. Bien, en tout cas, nous serons ravis de, de vous avoir euh, après-demain. Matt, euh, James, euh, William et Janet, vous faites quelque chose euh, vous Souhaitez faire quelque chose euh, cet après-midi non, non, moi, je vais lire, euh, lire les dialogues que l'on m'a donné, bien sûr. Hein. Je, je vais apprendre le script. Hein. Je vais apprendre mon script et. Euh... Pareil, je vais, rester, je vais rester sur place quand même un moment et puis je vais apprendre mon script en, en répétant devant un miroir ou quelque chose comme ça. Euh, moi, je vais voir William pour lui demander si. William, vous voulez bien qu'on répète ensemble, comme on a la scène Oui, bien sûr. Bien sûr. Nous pourrons répéter ça, hein. nous pourrons répéter notre scène ensemble. Oui, voilà. Vous préférez, je pense, que ça doit être plus confortable chez vous. Vous savez, moi, j'ai un tout petit, un tout petit studio. Alors vous savez, chez moi, c'est pas bien grand non plus. Mais euh... eh bien, soit, hein, retrouvons-nous bah chez vous moi. vous voulez. Retrouvons-nous chez moi. Entendu. Donc, donc euh... on va commencer par euh, par Adrienne. Donc tu retrouves Nina Eldolore devant chez elle. Vous allez ensuite. Bah oui, je l'amène au resto. Enfin, resto, c'est un grand mot dans un. Dans un petit. Euh... Dans un petit fast food, quoi. Eh bien, Nina, vous êtes une fille très discrète. Oh, vous savez, euh, c'est dans mon tempérament. Moi. Après, j'ai le Seigneur avec moi, vous savez, je ne suis, je ne suis jamais seul. Je ne me sens jamais seul. Oui, je comprends. Mais je, je suis assez étonné qu'une fille aussi croyante telle que vous euh, puisse. Euh... Euh, arriver dans ce genre de, de métier, euh, c'est quand même assez. Euh, on dit toujours que les acteurs euh, sont euh, un peu en marge, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, y a... Moi, j'ai commencé euh, très jeune. Hein, c'est mes parents qui m'ont poussé euh, à faire, euh, faire des, des publicités. Et puis ensuite, j'ai commencé à faire des films. Mais et... Et heureusement, euh, voilà, je n'ai pas plongé dans la drogue comme beaucoup de. Des personnes avec qui avec qui j'ai pu jouer quoi et euh, oh, ça, la drogue c'est terrible je suis d'accord avec vous d'ailleurs je ne touche absolument pas à combien? cela et, et je ne veux même pas euh, voilà je ne préfère même pas euh, y goûter un jour je lui montre le resto ce, ce resto vous va nous pourrons prendre un milkshake et puis euh, et puis un hamburger ah oui mais euh, bah c'est parfait c'est parfait, Bien. de toute façon, je prendrai ben une salade, quelque chose. On s'installe et puis, puis je continue ma conversation. Oui, la drogue, comme vous dites, c'est quelque chose de terrible, hein. ça ronge notre société. Hein. D'ailleurs, il euh, y avait une drôle d'odeur dans votre voiture. Vous ne ah consommez, bon consommez pas de drogue, j'espère Ah non, 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 ça doit être... Euh... Il m'arrive parfois de devoir accompagner quelques petits voyous. Euh... Vous savez, je, je suis dans le social aussi, donc... Euh... Oui, en non, tout cas, non, mais... vous avez commencé. Et... Vous avez Comment pouvez-vous imaginer l'odeur qui est dans ma voiture Je ne comprends pas. Vous connaissez euh... oh, dans ce milieu-là, vous savez, on connaît. Euh... C'est assez répandu. Hein. Vous savez, moi, je ne sais même pas l'odeur que ça. Hein. Oh, et puis d'ailleurs, j'ai vu quelques mégots. Mais c'est pas grave. Hein, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous savez, j'ai l'habitude hein. de côtoyer des gens oh. comme vous. Euh... Euh, comment ça, des gens comme moi Je ne comprends pas, Nina. Non, non, mais je ne veux pas vous juger, hein, c'est... Ah bah là... c'est déjà fait, je crois. C'est ce que vous venez de faire, non Non, non, j'avais je... l'impression que vous ne disiez que vous n'en preniez pas, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est le cas. Vous avez un doute à ce sujet Non, non, bah comme je vous avez, dit, j'avais vu quelques... Quelques restes, quelques mégots dans le cendrier, bon. Mais bon, faites ce que vous voulez, hein. Mes amis fument, effectivement. Mais bon, dites-moi, quand est-ce que cette révélation vous est arrivée Depuis quand êtes-vous aussi croyante Depuis votre jeune âge ah Oui, depuis toute jeune. Toute jeune. J'ai été élevé étaient... comme ça par mes parents. Hein. D'accord. Et donc du coup vous, vous êtes dit que faire un métier d'acteur c'était une façon de... C'est mes parents qui m'ont poussé au début, ils ont trouvé que j'avais une belle frimousse et ils m'ont inscrit justement à des, euh, des castings et puis euh, je les ai remportés. Et, et après... d'ailleurs dans ce film vous êtes arrivé comment J'ai été contacté justement par euh, une personne qui représentait Monsieur Saville. Vous connaissez Monsieur Saville Oui bien enfin, c'est le producteur, oui bien sûr. Enfin, je le connaissais. Vous l'avez déjà, ou... bon, enfin, je veux dire, quand vous le connaissez, vous l'avez aperçu comme moi, euh, des... pour les montées des marches aux Oscars, euh, c'est un. Oui, très voilà. brièvement, mais il a l'air assez mystérieux, ce monsieur. Ah, c'est ce que j'ai compris, c'est qu'il touche un peu à tout, quoi. Oui, c'est un homme d'affaires, ouais. milieu est... bancaire est... ou des industries, euh, voilà, il est sur tous les secteurs. Et alors du coup vous, vous me disiez que vous aviez aussi des cauchemars. Oui, oui, exactement. Exactement, oui. Et, et vous, vous vous faites aussi des rêves assez. assez oui. éprouvants. Oui, oui, j'ai été assez touché par, par la mort de, de Carla. Vous la connaissez bien Je la connaissais autant que autant que vous, quoi. J'avais jamais travaillé avec elle auparavant. Et mais bon, ce que je sais c'est que c'était quelqu'un de très talentueux. Oui effectivement. Et ça ne vous a pas, ça ne vous a pas étonné ces, ces propos qu'elle a sortis bah, plutôt, oui. Mais j'ai du mal à me souvenir d'ailleurs de... de ce qu'elle a pu dire, ce qu'elle a pu dire, mais c'était assez assez surprenant. Oui, il y avait une histoire de signes et de secrets et de... C'était étrange, oui. Et pour revenir à vos, à vos cauchemars, alors, dites-moi, vous, vous avez reçu des menaces aussi de votre côté Je peux comprendre que certains avaient été menacés dans l'équipe. Euh, oui, j'ai reçu justement... Euh, euh, quand je suis rentré chez moi, euh, voilà, j'ai eu un avertissement, euh, euh, disons, un, un coup de fil euh, avec une voix étouffée d'un homme qui me disait d'arrêter de, de, de ne pas participer à ce film. J'en ai parlé d'ailleurs aux... aux détectives euh, voilà, juste après. Euh, J'ai échangé avec eux brièvement pour leur euh, annoncer cela. Euh. Peut-être qu'après, je ne suis pas experte euh, en télécommunication, mais voilà, peut-être qu'ils vont pouvoir trouver euh, celui qui a passé euh, le, le coup de fil. Mais bon. Et la voix vous était familière ou... Alors, Il avait comme une voix étouffée avec un mouchoir. Euh... Personne que vous ne connaissiez Non. En tout cas, je ne connaissais pas cette personne. Pas hein. difficile à reconnaître sa voix. Et c'était quel jour C'était avant l'enterrement le, de, de Carla C'était en fait euh, le soir, quand je suis rentré d'ailleurs de l'église, le soir de justement du, du, de ce qui est arrivé, euh, de l'événement dramatique qu'on a tous subi. Mais c'est forcément quelqu'un que vous connaissez, puisque la personne vous a appelé chez vous on peut récupérer euh, peut-être une personne qui a, qui a récupéré mon téléphone euh, je sais pas par une tierce personne peut-être un journaliste euh... je, je ne saurais dire après je ne suis pas détective hein, mais en tout cas je suis sûr je ne connaissais pas euh, en tout cas la voix que j'ai entendue je ne la connaissais pas et du coup vous disiez que vous aviez aussi des mauvais rêves c'est ça oui vous et vous vous aussi oui. Vous allez prendre pour... Oui. Euh... Enfin bon, après, ça reste que des rêves, mais je me revoyais vraiment euh, dans ce studio en flamme euh, et, et Carla justement en face de moi. Et puis, d'un seul coup, je me voyais à la place de Carla. Comme si je me dédoublais et je me voyais euh, prendre feu. C'est étrange, moi, je vois des, parfois le visage de Carla euh, en flash. Vous aussi dans, dans vos rêves euh, oui parfois même euh, lorsque je suis réveillé par exemple quand euh, là quand j'étais en train de parler à monsieur vonselsin euh, j'ai eu une sorte de flash c est, c est, tout ça est très étrange je pense que ça nous a plus perturbé que de raison au moins vous avez eu la, la sagesse de vous... De vous entretenir avec un prêtre, peut-être que ça vous a apporté un certain réconfort, non Ah ben, de toute façon, euh, la religion euh, aide l'âme à se porter mieux. Oui, j'ai pas le trouvé Seigneur la même paix est... que vous, mais. Et le Seigneur est avec moi. Eh bien, j'espère que vous avez raison. Bon, dites-moi cette scène alors. Oui, oui, que dit-elle? Je, je parcours rapidement la scène avec elle euh, en buvant mon milkshake banane. donc, tu vois, oui, euh, que tu que vous avez justement la scène commence par euh, par un, 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 des mots tendres et puis ensuite un baiser et c'est là que arthur fait son apparition. Euh, voilà et des dialogues assez euh, bah, normaux finalement. Euh. D'un épisode classique. Et en parallèle à ça, vous, vous voyez euh, un autre personnage qui, euh, qui, visiblement, est témoin de l'inscène, mais très discrètement. Et c'est ce Cassie. Cassie qui est jouée donc par euh, Mary Sheldon. Mais Et vous ne la verrez pas. Elle joue le rôle de la, de la fille aînée. De... Non, mais je veux dire, dans cette scène, elle fait quoi enfin, Qu'est-ce qu'elle… Elle écoute euh... euh, bah, aux portes. Ah, ok. <laughs> mais euh, elle n'interagit pas directement avec vous. D'accord. Eh bien, je crois, euh, ma chère Nina, que notre scène euh, de promiscuité risque d'être euh, vue indirectement par, euh, par Marie l'avez pas trouvé angoissé d'ailleurs en parlant de Marie moi ouais, je ce que je, je sais que je sais qu'elle avait l'alcool facile mais là ça, ça j'ai l'impression que ça a pris beaucoup plus de proportions elle avait arrêté d'ailleurs elle était elle avait euh, suivi une cure euh, à un moment donné et puis euh, euh, voilà il me semblait qu'elle avait qu'elle avait arrêté j'avais déjà joué avec elle dans certains films et euh, certains épisodes surtout de, de séries et euh, voilà, bon, elle, quand je l'ai connue, elle, elle buvait beaucoup et puis elle s'est arrêtée à un moment donné, elle était en cure, et là, elle avait fait une pause. Et, et là, donc elle est revenue, et elle me paraissait bien, mais petit à petit, euh, même avant justement le, le dramatique accident qui s'est produit euh, il y a euh, il y a plus de dix jours, euh, et bien c'est... Voilà, c'est évident qu'elle s'est remise à boire. Je la vois, elle est complètement euh, déconnectée de nous. Mais comment savez-vous qu'elle vous qu Elle s'était confiée à vous bon, Ça, ça se voyait. Euh, elle tenait pas debout à certains moments, à certaines prises euh, de l'époque quand on jouait ensemble. Ah bon Et vous savez euh, quelle, a, quelle a été la raison de ce. Bon, de le cette fait déviance de... La pression, euh, peut-être, euh, en cas de son travail. Peut-être une enfance difficile, ça je, je ne saurais pas dire. Se retrouver souvent à jouer ensemble, mais après on n'a jamais euh, euh, directement, euh, disons, euh, échangé Échanger. plus euh, personnellement sur la vie privée euh, euh, d'elle ou, ou de moi. Et alors du coup, euh, James, vous le connaissez bien James, euh, oui, un petit peu. On avait déjà joué aussi un petit peu ensemble. D'accord. Et il y a, y a des, des acteurs avec qui vous avez plus d'affinité ou... Ça sera entre nous, bien sûr. Eh bien, Adrien, vous avez l'air assez, assez curieux. C'est dans ma nature, effectivement. J'ai l'impression d'avoir... Est-ce que vous ne seriez pas le troisième détective ah, ça... C'est possible. Non, mais je, je, ne pas vous, euh, je, je ne voulais pas trop m'immiscer euh, dans cela, mais euh, non, je trouvais que c'était un, un bon moyen de, de briser la glace entre nous, et puis euh, ça nous permet de nous connaître. Allez, que pensez-vous de moi bah, J'ai l'impression, vous m'avez un peu, un peu choqué tout à l'heure hein, quand je vous ai entendu parler à cette... À la Mansell, qui venait juste d'arriver, veux dire que ça lui arrangeait bien d'arriver ici, de récupérer le rôle de Karen Wran, j'ai trouvé ça assez, assez déplacé. Ça m'a choqué. Je, ah, pas, je pas marqué clair. des points avec vous alors, Nina. Oh, vous savez, je ne cherche pas l'amour. Mais moi non plus, ça tombe bien. Et je la regarderai fixement dans les yeux. Euh, moi non plus vous savez mais bon je vous ai choqué avec madame Mansel mais euh, en fait quand vous me connaîtrez vous verrez que mon humour cache beaucoup de choses mais c'est ma façon aussi de me faire connaître eh bien vous avez un humour assez assez particulier oui c'est ce qui me rend singulier et à part le fait de vous avoir choqué que pensez-vous de mon jeu d'acte Ah, il faudrait que vous ayez un peu plus d'expérience hein, dans, dans ce métier. Mais après, bon, vous n'avez pas trop de, de texte, donc ça devrait aller. Euh, faites le sourire que vous faites, c'est pour ça que j'ai l'impression que vous avez été engagé. Et, euh... Mais je ne voudrais pas être des, des hein, mais... Euh... Vous aimez mon sourire Oui, vous avez un très très beau sourire. Hein. Et jamais. En tout cas, à part je, ce je petit écoute, accident, je... mais... Toute, oui. Ah oui, non, vous inquiétez pas, ça, ça va être arrangé rapidement. D'ailleurs, regardez, je, je lui montre ma dent. Je, je suis en train de manger ma salade, si ça... Ce n'est rien, vous savez. Et Vous ne m'avez pas demandé comment je m'étais fait ça, d'ailleurs. Vous souhaitez le savoir Mais euh, oui, j'ai appris, enfin... Le réalisateur euh, nous a expliqué que vous aviez eu un petit accrochage euh, dans, dans un bar. Oui, je souhaitais en fait euh, sauver euh, deux jeunes femmes de, de l'emprise de ces, ces voyous. C'est Angels. Angeles. Esprit ah, avez... très chevaleresque, vous savez, Nina. Eh bien, vous savez vous mettre en valeur. Et en tout cas, c'est tout à votre honneur. Merci Nina. Bon et eh bien peut-être que j'aurai l'occasion donc du coup de vous voir. Vous allez nous chanter quoi pendant la répétition? Des... Maria On va chanter des, des airs euh, en effet euh... voilà, plutôt classique. Hein. Et vous de... pensez que vous allez faire quoi de moi du coup? Vous pensez que le père Collins peut me remettre dans la bonne voie? Mais bien sûr, vous pourriez euh, échanger avec lui. Ça pourrait être une bénéfique peut-être pour vous si vous sentez en avoir le besoin je sais pas vous pensez que j'ai l'air si maléfique que cela alors non mais les gens ont toujours besoin de s'accrocher à quelque chose je marque pas beaucoup de points avec vous Nina je constate que c'est comme faire un jeu de psychologie dernières... alors psycho Et puis on basculera. Ouais, tu sens qu'elle a pas l'œil qui pétille. Hein. Mais alors pas du tout. <laughs> Par contre, quand tu... Quand elle part du père Collins, tu sens qu'elle a les yeux aux éclats. Ok. Bon, on va basculer à, à Matt. Donc Matt, t'es es retourné chez toi. Pour euh, Ouais. Pour lire ton rôle, donc. Euh, en effet, tu auras des échanges avec Regina. Euh, à l'air collé, tu, tu vois en effet ce, ce repas de famille où chacun va commencer à tout déballer et puis à quitter la salle. Et puis à chaque fin de, de, de scène de passage dramatique, tu, voilà, tu sortiras une réplique assez ironique, mais les dialogues sont assez, assez comiques. Bien, tu peux me faire un jet de, de chance. Alors tu tombes en fait sur un passage que tu dois réciter, mais alors complètement déconnecté euh, euh, de la scène du, du repas. Je te le partage. Cette scène dit euh, qu'elle ne fut pas son étonnement quand il le vit changer en poulpe, avancer contre son corps ses huit pattes monstrueuses dont chacune, lanière solide, aurait pu embrasser facilement la circonférence d'une planète, et renversant de leur socle les annales du ciel, où par je ne sais quel tripotage infâme était signé sa puissance et son éternité, j'appliquai mes 400 ventouses sur le dessous de son aisselle et lui fit pousser des cris terribles. Alors, alors pour fois, je n'ai rien vu, hein, donc, euh... Ah oui, ok. Je le vois maintenant dans le chat. Qu'est-ce que c'est que ce enfin qui, qui, qui est que ce dialogue Ça enfin, n'a aucun rapport avec, euh, avec notre affaire. De, de quoi s'agit-il encore? Il, il faut que j'appelle euh, Il faut que j'appelle le réalisateur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Il faut tirer ça au clair, ça n'a aucun sens, cette tirade. Oh, tu tu l'appelles, hein? Voilà, j'essaie de le joindre. Euh, oui, allô? Ah, voilà, euh, Matt Gordon, à l'appareil. Dites, ah, je Matt, suis occupé à répéter euh, mes dialogues, euh, mais là, je tombe sur euh, une tirade qui n'a absolument. Euh, une... Aucun sens, aucun rapport avec l'histoire, enfin, euh, qui... c'était comme un cheveu dans la soupe. Euh... De quoi s'agit-il, enfin euh... Alors, attendez que je regarde le texte. Euh, donc, je suis. Voilà. Euh, voilà donc, euh, Vous parlez de la face qu'elle ne fut pas son étonnement Alors, il fut... Quand il le vit changer en poulpe, en pulpe, enfin, ça a aucun sens, avancé contre son corps, c'est oui, pattes monstrueuse dont chacune, lanière solide, aurait pu embrasser facilement la circonférence d'une planète. Euh, Excusez-moi, dans quel film suis-je censé jouer Je ne comprends pas. Euh, ça n'a aucun rapport avec notre affaire. Euh... Vous le voyez ou pas Oui, 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 non, mais contexte. je le vois, j'ai sous les yeux. Ah yeux ben, euh, Expliquez-moi, ça n'a aucun sens. Je vais, je vais appeler mon ami James, parce que là, il faut qu'il m'en dise un peu plus. Ça ne, ça ne va pas du ah, tout. Mais... Oui, absolument. À, à qui a qui puis-je sortir cette tirade Ça n'a aucun sens. Aucun. Aucun. Euh, je... ah, ce que je sais, ce que j'ai vu, c'est que vous devez sortir, en effet, une réplique euh, dans la salle, euh, pas forcément désigner quelqu'un, mais là, euh, c'est assez surréaliste. Euh. Euh... Ah oui, voilà, c'est le mot. Et, et, et permettez-moi de vous rappeler que euh, notre, notre regrettée Carla, euh, elle-même précisément, au moment où, 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 où le drame s'est produit, elle, elle avait également prononcé euh, euh, une tirade absolument incompréhensible. Vous comprenez non seulement mon étonnement, mais euh, ma peur. Ma peur. Calmez-vous, calmez-vous. Euh... De euh, toute façon, il va rester 20 jours de tournage, il a quelques scènes à jouer. Euh, enfin, de euh, quoi lui... jouons-nous Vous avez vu ce dialogue, comme moi, hein vous le voyez, non euh... Oui, oui, bah je... Je, je, je le lis en même temps que vous. Et, euh... enfin, mais 420 tout sur le dessous de son aisselle. Enfin, euh, excusez-moi, je. je, je, je... Euh, où suis-je en train de tourner dans un film de, de science-fiction horrifique ou bien euh, dans, 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 une, dans un soap euh, j'ai l'impression que oui, on sait, ils sont trompés de plateau. Quoi. Ils ont confondu oui, avec le plateau mon, de bien Roger Corman. l'impression également, croyez-moi. Ou alors, est, euh, je... on est en plein Buñuel. Je ne sais pas, mais de euh... euh... ouais, Un réalisateur euh, espagnol qui a tourné un ah, peu, euh... en fait, je... qui a traîné avec des surréalistes. Bon, un ouais, de réalisateur italiens... Euh... Euh, de western, vous savez, hein, l'Europe. Mmh. Ah. Ah. Oh, vous savez, euh, ils ont ils ont du très bon cinéma. Hein. Moi, je, je viens je viens de d'Allemagne, hein, donc on avait du très très bon cinéma à cette époque. Bon après, euh, on est. Mais j'ai une même une admiration, voilà, pour ces, ces réalisateurs avant garde Mais il aurait pu quand même me prévenir. Euh... Sa vie, franchement. Euh... — Certes, mais bon, il faut tirer au clair cette histoire. Euh, je, je, je ne peux en aucun cas sortir cela. Je serais ridicule. Les autres acteurs vont me regarder, sans compter que je vous le répète. Euh, cela m'inquiète, cela m'inquiète. — De toute aucun façon, vous savez, vous savez, ils sont tous au courant. Ils ont tous le script. Ils vont tous le voir, ce, ce passage-là. de je le dis. Je, je... J'ai ma réputation. Enfin, imaginez que l'on me filme en train de sortir une telle tirade au, au milieu d'une scène familiale. Enfin, euh, à réputation est en faite. Euh, je serais ridicule à tout jamais. Il y a hors de question que, 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 je, que je sorte cette tirade. Hors de question. Bon, de toute façon, je vais essayer d'appeler euh, William Savir. Faites, bon, faites, faites. Fait. Il s'agit euh... des questions comme ça. Hein, décidément, je n'ai euh, pas parcouru euh, tout ce le tournage script. C'est bien mystérieux. J'ai pas parcouru tout le script, mais euh, euh, voilà, il faut, que, il faut que, je lui parle de ce passage que j'ai exactement sous les yeux. Non, non, je ne vous blâme pas bien, bien entendu. Vous sauriez lire tout, mais enfin, effectivement, euh, maintenant que j'ai pu vous le mettre sous le nez, euh, j'entends bien que vous tiriez cette affaire au clair, mon cher. C'est vous le réalisateur, et non moi. Non, mais certainement, certainement. Il faut au moins qu'il me donne une ligne, euh, voilà, directrice, et puis ensuite, voilà, on pourra. Euh, Peut-être euh, produire quelque chose d'une meilleure qualité. Euh, là, c'est en effet. Euh, c'est complètement incohérent, absurde entre ce qu'on tourne et puis. Euh, voilà, ces scènes un peu de films euh, horrifiques. C'est. On pourrait du. Je ne sais pas, du. Ce <laughs> réalisateur euh, minable, Ed Wood. Oui, voilà, exactement. C'est à cela que je pensais également. Bref. Euh... Euh, et de... on a... Tout cela est un genre Foutre, monsieur. Un genre Foutre. Mais d'ailleurs, avec l'accessoiriste. un peu, peu d'ordre dans tout cela. Euh, je ouais. pas un acteur professionnel pour rien. En plus, ce que je trouve bizarre, c'est que l'accessoiriste ne m'a absolument pas parlé euh, qui devait commander euh, un poulpe euh, géant. Euh, et en général, il est tenu aussi au courant des euh, directives qu'il doit, qu doit appliquer par rapport au script. Euh, et ce qui est étonnant, c'est que bon après peut-être ça fera peut-être partie d'une autre scène, hein, mais euh... pour l'instant il n'a pas été prévu. Mais... Vous plaisantez Alors quand même pas nous ridiculiser, dans des histoires pareilles. Enfin. Or vous croyez soit. pas que vous allez vous combattre euh, face à un poulpe J'entends bien, oui. Enfin. En tout cas, rassurez-vous, je vais. Euh, de toute façon, c'est juste un texte à lire. Hein. Vous ne craignez absolument rien. Est-ce que vous croyez que euh, Lara euh, serait morte, euh, éprouvée par le texte qu'elle a lu Vous me posez bien des questions, mon ami. Je n'en sais foutre rien. Mais euh, euh, je, je remarque quand même qu'il y a. Euh, qu un lien entre, entre sa mort et, et, les, et les propos qu'elle a pu tenir euh, euh, au même instant. Et je, je note que même de même de tels propos incohérents se retrouvent à nouveau dans un script que je dois, que, qu que je dois cette fois euh, lire moi. Vous, vous comprenez euh, mon étonnement et ma peur et ma peur. Je l'insiste là-dessus. Bon, D'abord euh... le bidon d'essence, et puis ses propos incohérents euh, comme ceux qu'a pu tenir euh, notre regretté Carla euh, avant même de mourir. Euh, non 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 non. Bon je vais en tout cas faire euh, essayer de faire mon possible justement pour euh, pour essayer de, de l'avoir. Je sais qu'il était en déplacement, il euh, est toujours d'ailleurs en déplacement, injoignable, mais au moins essayer d'en savoir un peu plus euh, au sujet de ses assistants. Et euh... après j'ai j'ai du mal, en plus, à, à me rappeler des... Vous c'est euh... ouais, absurde, mais bon, après, ce qu'on a vécu en même temps, et n'est plus à ça près, mais j'ai du mal à me souvenir, justement, les, les scènes qu'on a filmées, quoi. C'est quelque chose qui me... J'ai du mal, en effet, ouais, je... à, à essayer de me mettre le film en place. En effet, les scènes sont dans le désordre, mais en même temps, les scènes qu'on a tournées, j'ai du mal à, à me rappeler exactement ce qu'on a dit. Et puis, étant donné que... On nous a donné comme directif de, de bouler les scripts une fois que les scènes ont été tournées, et qu'ensuite, euh, même pas mon mot à dire pour effectuer le montage. C'est une rôle de plaisanterie. Mon cher, il est temps de vous remettre de l'ordre dans vos idées. Je vous rappelle que vous êtes le réalisateur, vous êtes le réalisateur, mon dieu de mon dieu Ouais, mais on n'est pas en Italie ici, et puis les... <laughs> les producteurs ici, ils ont le dernier mot. Et tourner en je Allemagne, j'envisage de le concerne, faire. Hein. Je, je ne lirai pas ce texte, c'est moi qui aurai le dernier mot. Voilà. Bon, on va trouver une solution, je, je vais voir éventuellement pour adapter. Je vous le souhaite, je vous le souhaite. Du moins, ça va être difficile de l'adapter, mais peut-être de le faire lire à quelqu'un d'autre, dans ces cas-là. On peut envisager cette solution. Je vais je vais m'enseigner. Oui, oui, ben, faites-le lire, je ne sais pas moi, euh, au, au, au gars du dentifrice. C'est bien de son niveau, ça. Hein. Ah, Adrien. Ouais, bah, écoutez, c'est un peu lui qui pourra attirer, on va dire, l'agente la féminine, apparemment, pour ce film. Donc, euh, on est obligé de, de le conserver. Et euh, je trouverais assez bizarre qu'il puisse euh, lire ce genre de, de dialogue. Mais bon, je vais. Vous inquiétez pas, je m'en occupe. parce que moi, vous trouvez normal que je puisse lire un tel dialogue Vous vous foutez de moi, bon Dieu Oh, c'est pas moi qui donnais les directives, justement, là-dessus. Je suis comme vous. Je trouve déjà le dialogue à la base euh, est complètement absurde. Ridicule, ridicule. Et en tout cas, euh, bon, on, je vais faire en sorte que vous ne citiez pas ce texte et. Euh, oui, agissez, voilà. agissez, mon vieux, agissez. Vous êtes coordinateur, Dois-je vous le rappeler Ne vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Je, je fais ce qu'on me demande. On est bien payé, donc après vous plaignez pas. Soit, j'attends de vos nouvelles Et je raccroche On va rebasculer euh... On va basculer sur euh... Sur Janet. Normalement on est ensemble Ouais, vous êtes ensemble, c'est ce que je regardais, mmh. ouais vous étiez resté, voilà, pour continuer à répéter sur place. Non, on avait, euh... enfin, moi j'avais lire votre texte, script, euh, et puis. Euh... Mais après, c'était se retrouver chez moi pour faire, pour répéter mmh. le script euh, ensemble. D'accord. Donc oui. voilà, vous, vous retrouvez, euh... vous voyez, donc justement. Euh... Au début, c'est une approche un peu comme dans un confessionnal où euh, Mia, donc Jeannette, toi tu, tu vas voir le, le révérend et tu te confies à lui. Euh, et euh, voilà, euh, le révérend derrière te, te donne des, des conseils, t'écoute surtout et te donne l'absolution pour euh, éventuellement tes quelques péchés. C'est quoi sa confession? Enfin, j'ai le texte. Alors tu peux à toi de, à toi de me dire. D'accord. Doit révéler que elle a Parlez sans crainte, ma fille. Pour dire un... enfin qu'elle est... trouve pas normal que, que Alicia ait euh, une partie de la fortune de son père euh, via Arthur et qu'il faudrait déshériter Arthur. Et qu'elle a un plan pour ça. C'est une sorte de confession un peu malhonnête, puisque euh, en fait c'est pourtant tenter d'entraîner le révérend, puisque ainsi, lui-même ou son fils. Touchera plus si Arthur est déshérité. Donc, euh, donc William, en effet, tu, tu entends tous ces. à toute cette confidence. Euh, cette famille, tu. voilà, et tu constates que cette famille est en train de se déchirer euh, par. Euh, par convoitise, euh, par intérêt. Toi, en même temps, t'aimerais aussi en voir euh, ta. Ton personnage, il voudrait aussi avoir la, la part, euh, sa part du gâteau, mais tout en gardant une, une très belle image. Hein, voilà, et peut-être, et aussi en donnant une leçon, euh, une leçon aux autres. Euh... Et donc, dans, dans ce texte, tu vois que euh, elle est, euh... mais vas-y, oui, parce que en fait, finalement, Mia raconte au révérend que. Euh, les trois enfants ont subi euh, des violences du père et que du coup c'est pour ça qu'elle ne veut pas que Alicia touche quoi que ce soit parce que Alicia n'a pas mérité l'héritage. C'est très glauque. Comme texte. Et toi William, alors du coup euh, par rapport à ton texte je te laisse... Euh... Ben, moi je vais euh, alors je vais essayer de, de dans mon texte, en tout cas, dans mon texte euh, il est dit que je vais euh, déjà essayer de, de raisonner Mia, euh, de, de la faire revenir sur sa décision. Et puis très euh, vite, au cours de la conversation, vu qu'il y a quand même mon, mon, mon petit appât du gain, parce que j'ai euh, j'ai quand même des, euh, des dettes. Dettes aussi de mon p Et euh, je pense, euh, enfin, j'essaye de demander à Mia, enfin le révérend, demande à Mia si, euh, si justement James a pas quelque chose à se reprocher qui pourrait faire en sorte euh, que l'héritage ne lui revienne pas. Arthur, Arthur pardon. Yeah. Elle explique, elle réexplique patiemment son, en, en réplique, elle réexplique patiemment son plan qu'elle lui a déjà expliqué, mais je pense que certainement que sous le choc, euh, le, le révérend n'a pas tout de suite compris. Oui. Et elle, elle lui répète euh, justement la, la raison pour laquelle euh, ça pourrait coller de déshériter Arthur. Mmh. Vous sentez Par en exemple, tout cas... euh, il aurait très bien pu être euh, en partie responsable de la mort de son père, puisque son père était un personnage infâme. Mmh. Et c'est peut-être euh, Alicia qui l'a poussé à faire ça. En tout cas, à la fin de la scène. Le, le révérend est convaincu par Mia et euh, il décide de, de la suivre dans son plan. Il y a à la fois bah, le révérend, il voit un peu aussi, il, il est un peu, il voit peut-être un peu trop et euh, il est aussi séduit par cette, cette jeune femme, cette jeune Mia. Et donc, euh, il accepte de la suivre dans un plan euh, pour 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 mettre à mal. Euh. Ok, donc c'est un texte assez euh, de plus en plus sombre. Et. Euh... Ça, vous vous sentez assez. Euh, vous avez un goût amer en tout cas en lisant le, le texte. Ça, ça vous épuise d'ailleurs. Quand vous, vous le répétez, vous, vous sentez assez. Euh, alors il fait assez, assez bon, il fait normalement 24 degrés, mais vous êtes vraiment en sueur. Euh, et, vous avez un, et vous avez un peu du mal à respirer. Je vais ouvrir un peu les fenêtres hein, si ça ne vous dérange pas. Jeanette. Alors, volontiers. Le texte, euh, je, oui. je trouve toute cette histoire euh, des plus douteuses. Euh, je, je, je comprends bien que le scénariste euh, veut, veut dénoncer les, les violences d'un père tout-puissant sur sa famille victime, mais quand même, les tournures de phrases, euh, vous ne trouvez pas qu'il y a un petit côté. Euh, Pervers dans chaque de ses phrases. Si, 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 si. C'est étrange, euh, ce révérend, ce révérend a un, un côté malsain, tout comme cette, cette jeune fille a essayé de se débarrasser de, de de ce jeune Arthur qui qui ne semble apparemment n'avoir rien à se reprocher, et, et pourtant les personnages veulent lui Dérober son héritage, enfin sa part de l'héritage. Est-ce que vous voulez boire quelque chose, Jeannette? De euh, 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 la glace, bien, mais c'est quand même bizarre hein, parce que on ne sait trop si. Ça laisse quand même planer le doute sur, sur le rôle d'Arthur dans, dans la mort de son père. C'est bizarre cette famille, quand même. Je ne sais pas. J'ai pas vu. pas vu le texte de James. Il pourrait peut-être nous en dire plus de son côté avant que qu'on qu fasse cette scène. C'est. Je ne sais pas. Ce, ce texte me. Il est abject. Peut-être qu'on pourrait lui, lui téléphoner pour lui demander de, de nous rejoindre afin de discuter de la scène. Oui, oui, oui vous avez raison. D'ailleurs, James, euh... tu étais rentré tout de suite euh, chez toi ou tu étais resté un petit peu Non, euh, mais sans... je suis resté justement mmh. parce que je ne je, je sais pas ce qu'on ce qu risque pour le moment avec cette reprise, même si j'espère que tout va bien se passer. Donc, euh, je reste sous la protection de. Des deux hommes qui sont ici, quoi. Donc, euh, je vais répéter ici, puis c'est aussi le euh, lieu de travail, quoi. Donc, autant répéter euh, sur son lieu de travail. Je me trouve un grand miroir euh, devant lequel répéter, ou bien en tout cas, j'essaye de m'isoler dans un coin. J'apprends mes phrases euh, par cœur, presque machinalement, euh, pour le moment. Euh, comme si euh, j'avais des, des petits problèmes pour retenir les choses. Donc euh, j'apprends et je répète les phrases et je me les récite à moi-même sans forcément mettre le ton, l'intonation, et puis après ça vient euh, ni même comprendre ce que je dis. Et après ça vient petit à petit. Ouais, donc en, en plus, bon, la, la scène que tu, que tu vas jouer, hein, ce sera surtout une scène d'affrontement. Donc, il y aura voilà, voilà, quelques textes, quelques, quelques dialogues. Ça allait quand même être un dialogue un peu plus, euh, un peu plus agressif, hein, beaucoup plus violent, beaucoup moins évidemment à l'eau de rose hein, par rapport euh, à voilà, le fait que tu vois euh, euh, ta, ta femme euh, au, bras de, au bras du personnage d'Adriane, au bras de Thomas. Tu vois les techniciens en tout cas qui sont autour, qui t'observent en train de, de, de répéter. Il y a aussi euh, Lara Mansell qui passe, qui euh, t'observe. Euh... Eh bien, vous êtes un bon acteur, monsieur. Bien, écoutez, je ne sais pas, j'essaye d'être consciencieux, c'est déjà ça, et, et après le reste vient, mais vous savez, il n'y a que le travail qui compte au final, il n'y a pas de hasard, alors je, je travaille, je travaille, j'essaye de, de donner le meilleur de moi-même en répétant et répétant et répétant toujours les scènes. Et vous, comment, vous, avez, vous avez votre texte, non vous, Oui, j'ai aussi, avez... aussi mon texte. Nous avons des scènes ensemble, peut-être. Je n'ai pas encore tout lu. Je suis que aux premières pages du script. Il oh, y a la scène du repas et puis j'ai aussi une scène. Euh, sinon, j'ai où j'échange avec, euh, avec l'oncle Walt aussi. D'accord. Je suppose que vous allez avoir beaucoup de retard à rattraper et beaucoup de choses à apprendre. Si nous devons retourner certaines scènes, retourner... oui. Et j'espère que euh, ils feront l'ellipse sur euh, celle euh, qui s'est déroulée juste avant. Euh... Oui. Et puis en plus, ah, bon, on, on doit savez. retourner les scènes, mais encore faut-il, voilà, qu'on puisse récupérer euh, les, les anciens scripts, puisque en fait, ils nous envoient les scripts au fil de l'eau. Est-ce que euh, ce que m'a annoncé le réalisateur, c'est qu'on devait retransmettre ses scripts à chaque euh, fin de chaque fin de scène. Ouais, J'ai cru comprendre qu'il n'avait pas l'air très au point, euh, autant dans les informations qu'on lui communiquait, que aussi avec euh, bah, ses, ses films. Quoi. Enfin, je... je ne sais pas. Je, je suis perplexe. Pourtant, il est quelqu'un de compétent, mais il doit être aussi perturbé par tout ce qui s'est passé. Et donc. Euh... Forcément. Parce que j'ai échangé avec euh, justement euh, Hans et puis euh, il, il avait remonté justement à sa vie. C'est ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il souhaitait vraiment transmettre euh, des, des véritables émotions euh, dans, dans le cinéma. Euh, il trouvait qu'à l'heure actuelle euh, il y avait très peu de, les films devenaient de plus en plus, euh, on va dire superficiels. C'est plus des films, on va dire. Euh, avec de la bagarre, euh, mais avec beaucoup moins d'émotions et, et de côté dramatique, comme à sa grande époque où il tournait en, en Allemagne. Et puis, apparemment, ce qu'il m'a dit, c'est que sa vie lui avait dit qu'il serait possible de, en fait, de tourner un film qui pourrait bouleverser euh, réellement les, les spectateurs. Voilà. Et, ils ont, il m'a dit, bon, que il était très emballé par cette proposition et puis que dans le cadre d'un pari qui était prêt à tourner ce film et, et avoir le résultat mais en revanche que ce serait que ce ne serait pas lui qui aurait le final cut et le droit au, au montage d'ailleurs il ne m'a même pas dit ce où est-ce que les bobines partaient mais en tout cas il verrait le résultat final, finalement, euh, peu de temps avant euh, le, la grande première. J'espère que au moins ce, ce, ce film passera dans les cinémas. J'ai l'impression qu'il est l'œuvre de quelqu'un avec des lubies qui veut se payer les acteurs. et bon, je, je ne sais pas, nous verrons bien. Je, je vais retourner à mon texte. Ah, merci. Et à bientôt. Eh bien, on, on se retrouve donc euh, après-demain. Et puis, euh, voilà, on pourra répéter ensemble euh, si vous le souhaitez. Mmh. On va repasser à, à Adrien. Donc, vous avez décidé de, de repartir après ce repas, bon, un petit peu. où la première Fustre. approche n'était pas si simple que ça. Et vous arrivez devant, euh, devant une belle église, voire euh, une cathédrale. Entre les deux. Alors, moi, ça blesse de marbre. Hein. Quand, quand tu arrives, quand vous arrivez tous les deux, euh, vous voyez quelque chose d'assez. Euh, D'assez inhabituel. Il y a, enfin, du moins maintenant, ça va de. J'espère ne pas devenir courant, mais. Vous voyez euh, en effet des, des voitures de, de policiers, des, des ambulances. Ah bon Devant l'église Devant l'église. Tiens, que se passe-t-il donc Qu'est-ce qui s'est passé Arrêtez-vous, garez-vous ici. Oui, bien sûr. Euh, attendez, je, je vais essayer de trouver une place rapidement. Euh, je trouve la première place possible et je me gare. Oui, s'est passé quelque chose d'horrible. Ah, attendez, pourquoi dites-vous cela mais Je voyais pas. Il euh, y a... Regardez là, Il y, euh, y, a, y a la police qui apparemment apporte un, un corps. Euh... Il couvert d'un drap. Ah, qui est en train d'être chargé dans Alors, une ambulance. Être... d'ailleurs tu vois un visage familier. Tu vois le lieutenant euh, des en euh, face de toi. Enfin du moins qui est en train d'accompagner euh, voilà, ce, ce cadavre, ce corps euh, couvert d'un drap. Bah du coup je vais l'interpeller. Euh... euh oui. Euh, lui, oui, on un a... mais. Que faites-vous vous... là Vous êtes. Euh... Dites quelque chose. Oui, vous êtes euh, l'acteur. Oui, je suis Adrienne Adrien Lupoff. Mais c'est une bonne question. J'allais vous poser la même question, du coup. Eh bien, je suivais ma, ma, ma compagne de, de tournage, euh, Madame Eldolore, qui venait elle-même voir le, le, le curé, euh, M. Collins. Tu, tu la vois euh, à côté, elle est, euh, elle est en larmes. C'est affreux, mais qui sait Qui sait J'en suis sûr, c'est. Quelle horreur Elle, elle soulève le. Euh, elle regarde, euh, en tout cas, elle soulève légèrement le drap et puis elle. elle, elle... Je m'en doutais que c'était lui. C'est malheureux. Je m'en doutais. J'avais une appréhension, je, je l'ai senti. Qui est-ce c'est euh, malheureusement c'est le, le prêtre de cette église qui, qui est parti. c'est le père Collins, le père Collins qui qui, qui, qui est décédé. Mais comment cela? Il était très âgé, je ne comprends pas. Très âgé, très âgé. Euh, non, non, il était euh, il avait une quarantaine une quarantaine d'années. Ah, il est super jeune. Je me tourne vers le lieutenant euh, d'Irupio, euh, mais que s'est-il passé Je ne comprends pas. Cet homme était jeune. Il devait oui. s'occuper de la chorale. Madame Eldolore euh, venait justement chanter avec lui. Ce qu'on a constaté là, c'est qu'apparemment, il y a eu des scènes de lutte. Euh, voilà, si. À l'intérieur, voilà, tout a été bousculé. Euh, euh, les cierges renversés. Euh, et puis. Euh, D'ailleurs, euh... vous pouvez voir euh, de l'extérieur qu'en effet, euh, voilà, tout... tout ce qui contenait euh, les, les hosties, et puis euh, disons, enfin le tabernacle, quoi, et puis euh, les ronds, tout ça, ont été fracassés et ont été euh, ont été vidés. Apparemment, oui, il y a bon, eu ces, euh... ces personnes, voyez, euh, oui, voilà, ils ont essayé de... dans le cadre d'un vol, mais bon, qu'est-ce que des... Qu Qu'est-ce qu que des personnes iraient voler dans une église y a rien à prendre. Surtout aller, aller tuer un, un prêtre pour, pour aller voler quelque chose, c'est étrange. C'est en effet étrange, mais il y a pire que ça. Si on a observé que visiblement la personne a été victime de, de strangulation, on la retrouvait avec le visage bleu et la langue enflée. Et euh, son corps était complètement recouvert de centaines de marques rondes et rouges difficile à expliquer c'est étrange effectivement oh si je puis me permettre ouais. ça ressemblerait même à des, des traces de ventouse mais bon puis-je voir ces marques un euh, en ce enfin lieutenant euh, écoutez, euh, cette pauvre dame euh, qui est à côté de vous est en larmes. Je ne préfère pas... Euh... Nina, ça vous dérange de vous éloigner un instant Je, je voudrais voir... Elle va en tout cas, se précipite euh, vers euh, justement euh, le, le corps du Père Collins. Euh, elle, euh, elle a franchi justement euh, les, les, les ambulanciers qui étaient là pour, euh, pour, euh, pour le mettre dans l'ambulance. Et euh, elle a plongé sur son corps en larmes. D'ailleurs, elle a retiré le, le drap. On le voit en effet, euh, euh, complètement euh, la tête bleue et puis des marques rondes et rouges de, de partout euh, sur son torse. Bah du coup, j'observe Stark. Certains... Pour essayer de comprendre ce que ça peut être. Il était... Euh... Apparemment, euh, la, la scène s'est déroulée euh, voilà, il y a un peu plus, euh, plus d'une heure. L'église voilà, était vide, euh, il n'y a pas de témoins. Mais Et... c'est quand même une sacrée coïncidence de vous retrouver ici. Qu'est-ce que vous sous-entendez J'étais avec euh, Madame Eldelor euh, au restaurant. Non, je, je constate. Enfin, vos constatations euh, ont tout de même, euh, sont, sont tout de même malvenues euh, lieutenant je, je ne comprends pas comme je vous l'ai dit euh, j'ai moi même exercé la profession de, de détective peut-être pourrais-je vous aider mais je bah, euh, nina et dolor étant étant là mais je elle me confie justement à quel point ce ce prêtre était un vrai confident et, et m'avait proposé justement de pouvoir discuter avec lui. Eh moi, en tout cas, moi, ces histoires de religion, ça, je... Ça ne m'intéresse guère, mais quoi qu'il en soit, euh... en tout cas, que vous soyez là les raisons de votre venue euh, ou pas, euh, voilà, bon, je fais juste un constat, c'est tout. Ouais. Je me doute que vous n'êtes pas arrivé ici. Euh... Avec, euh, avec un calamar géant pour euh, tuer ce pauvre ce pauvre père euh, d'église. Non père je... je vous le confirme. Mais, Mais en tout cas laissez-moi euh, je, je dois vous laisser justement. On continue euh, les, les fouiller les relever et écartez écartez-vous de cet endroit. Ah donc on peut pas aller dans l'église j'imagine tu vois, en est fait euh, la police qui est devant l'entrée. quelques affaires. Et elle les récupérera demain. Euh... On les laisse telles quelles. Vous pouvez pas laisser cette jeune femme en détresse. Regardez dans quel état elle se trouve. Bon, écoutez, jeune homme, je n'ai pas de temps à perdre. Euh... J'ai un travail. Bien. Et euh, estimez-vous heureux que je vous, vous... vous pose pas d'autres questions. Je ne vois pas à quoi vous faites allusion, mais bon, certes, peu importe. J'espère que vous trouverez en tout cas cet assassin. Nous sommes nous-mêmes sommes nous menacés. Vous avez dû entendre parler de, des menaces qu'on peut avoir tous. J'ai l'impression que c'est tout de même étrange quand on attaque un, un prêtre qui est le, le confident d'une de, des actrices. Tu vois Nina à côté, euh, voilà, qui observe l'ambulance qui commence à, à partir et euh, elle est en larmes. Je prends Nina dans mes bras. Je dis venez Nina, venez, c'est pas, nous ne pouvons pas rester ici. Venez, je vais je vais, allons boire un coup. Je vais vous, je vais vous accompagner. Vous ne pouvez pas rester seul Donc vous repartez, vous voyez la police qui continue à effectuer ses, ses fouilles. Bah oui, on peut pas aller sur les lieux donc... On va repasser à James. Toi James, tu vas continuer à répéter justement ton, ton, ton rôle. Et tu vas avoir justement, euh, à un moment donné, un passage euh, assez menaçant que tu devras citer euh, directement à, à Thomas, juste avant euh, l'affrontement. Et euh, ce passage est aussi absurde que celui que tu avais entendu euh, citer par Carler Brand peu avant sa mort, et qui dit euh, « Après quoi ?» Ils se mettent de nouveau à courir dans la campagne en sautant de leurs pattes sanglantes par-dessus les fossés, les chemins, les champs, les herbes et les pierres escarpées. On les dirait atteints de la rage, cherchant un vaste étang pour apaiser leur soif. Leur hurlement prolongé épouvante la nature. Malheur aux voyageurs attardés. Les amis des cimetières se jetteront sur lui, le déchireront, le mangeront avec leur bouche tout tombe du sang, car ils n'ont pas. D'en euh, je, je suis un petit peu interloqué, je relis plusieurs fois le passage, euh, j'essaye je, de voir si, euh, de, de comprendre si c'est un passage de la Bible. En fait, c'est ce que je me dis euh, dans un premier temps, ça doit être euh, un passage de la Bible, de l'Apocalypse, euh, qui met en garde euh, justement quelqu'un que je pourrais menacer euh, dans ce. Dans ce film, donc euh, ça me semble pas tout à fait anormal, euh, même si euh, bon, c'est bizarre, mais on a déjà eu quelques textes bizarres, effectivement. Là. Il y a aussi un autre passage ah, hein, que tu dois réciter euh, qui dit euh, Les animaux sauvages n'osant pas s'approcher pour prendre part au repas de chair s'enfuient à perte de vue, tremblant. Après quelques heures, les chiens harassés de courir ça et là, presque mort, la langue en dehors de la bouche, se précipitent les uns sur les autres sans savoir ce qu'ils font, et se déchirent en mille lambeaux avec une rapidité incroyable. Une allégorie. Et d'un seul coup, en fait, tu te vois avec les acteurs habillés pour, pour cette scène, justement. Tu as... Adriane en face de toi, à qui tu, tu récites euh, cette séquence. Et aussi Nina, d'ailleurs tu es euh, tu es habillé, hein, justement, tu as les caméramans qui sont autour de toi, euh, tu as, as du mal à réaliser euh, ce qui, ce qui t'arrive. Et, euh, et d'ailleurs, ils te regardent tous. coupé. Euh, et tu les vois complètement. Euh, ils ne disent rien. Absolument pas ce que tu, tu viens de dire, et euh, le réalisateur euh, arrive vers toi. Mais qu'est-ce qui t'a pris euh, d'insulter tout le monde? Bien, c'est le texte, c'est ce qui est écrit, c'est ce que j'ai dû apprendre, c'est ce que vous m'avez donné. Fais voir c'est ce Non, c'était pas dans le texte, Je... ça. Tu bah, t'es mis est... à insulter Adrien, mais d'une manière le mien, euh, le hyper mien hyper est là-bas. Là cette histoire de, de, de chien, de. De, 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 personnes, qui, enfin de qui, personnes qui se font dévorer, les hurlements, les cimetières, enfin, je je, 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 je en c'est bien dans le texte, c'est voilà, une allégorie, c'est euh, ceux qui sont trop avides d'argent, de, de, voilà à quoi ça peut les, les mener, de s'entre-déchirer, ce, ce... non, c'est ça, c'est ce, mais... ce que ça veut dire. Non, non mais James, euh, ce que tu as récité, ce que tu as dit, il n'y avait pas que ça, tu t'es mis à insulter tout le monde autour du plateau, tu étais vraiment devenu hystérique, tu ne t'en souviens pas, euh... Euh... Va, va te je... reposer un peu dans ta loge, je sais pas, fais quelque chose. Mais Je, je ne comprends pas, non, vous devez, <laughs> vous, devez vous tromper, c'est impossible. Je, je... Vous autres, vous avez vu en je effet cette sent... scène très bien. Wow. Je n'ai pas besoin de me reposer. Je suis, je suis en pleine forme justement. Je suis en. Ple... Jense, no. jense, il faut qu'on y retourne. Il faut que. James, il vaut mieux que vous oui. vous reposiez. Mais pourquoi je, je, je ne comprends pas. Reposez-vous, James. C'était pas assez bien, c'est ça Oui. Si, si, je si. si pas vous, avez... Dire... vous avez très bien joué, mais je crois que vous répétez un peu trop. Il faudrait dormir davantage. Vous, vous avez perdu un peu les pédales. Vous m'avez dit des ça. choses extrêmement choquantes, James. Je, je, je... Je non, ne comprends pas, mais... j'ai presque cru que vous m'en vouliez. Mais non, mais c'est bien le texte, je vous assure, c'était... Je ne comprends pas, mais qu'est-ce euh, que je, je vous ai dit euh, je... Vous me prêtez des paroles qui... qui... Vous m'avez de pas... tous les noms, je ne comprends pas, j'avais l'impression que vous croyez que je, je, je trompais votre femme. Eh bien, euh, oui, c'est un peu qui... Enfin, qui se passe dans le... Dans le film, non Mais euh... sauf que vous me prêtiez des intentions qui ne sont pas les miennes et comme si vous parliez de Nina plutôt que de plutôt que d'Alicia. Euh, je... je ne comprends pas. De toute façon, je ne suis pas lié euh... de quelque manière. à Nina, je enfin, je ne vous comprends pas. À Mia, si. Alicia, oui, mais pas à Nina, oui. Je ne sais je... pas, en tout cas, vous m'avez insulté de tous les noms et je. Eh bien, écoutez, je... euh, si cela vous a offensé, je vous prie de de, de m'en excuser, mais euh, vous devez comprendre que c'était dans mon texte. Enfin, je, je pense, je, je ne je ne me souviens pas très bien, en fait, de ce que s'est passé avant je... venez vous asseoir on va on va demander un verre d'eau je fais appel à un technicien donc en, en, en fait vous, 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 tout le monde sait que voilà c'est bien évidemment à part toi James que c'est voilà on est le 10 juillet ça a été ça a été à la reprise du, du tournage euh, et mais toi tu, tu as du mal à réaliser quoi tu as, tu as eu un moment de blocage tu ne sais pas ce qui s'est passé encore une fois pendant pendant un long moment, pendant ces, ces ah, deux derniers jours. Ah oui. Écoutez, James, ce que c'était absurde de toute façon. Je comprends très bien que que vous perdiez les pédales. Ça, ça vais... nous arriverait à tous. Et ça je, nous arrivera peut-être. Je vais, je vais boire un verre d'eau. J'ai l'impression que j'ai l'impression que tout tourne autour de moi. J'ai l'impression de ne plus maîtriser le le, le temps. J'ai l'impression que les, les... Les heures ont passé à une vitesse, je ne sais plus, je... C'est le surmenage, c'est le surmenage, James. Et je... Vous avez raison. J'observe je... les yeux de James pour voir s'il a, a pris des substances ou pas. Tu peux faire un jet de psychologie, puis toi, James, tu peux me faire un jet de santé mentale. Vous savez, James, Adrian a vécu la même chose que vous. Euh... Euh... Il a aussi été très perturbé. Souvenez-vous, lorsque nous étions à... Je vais mettre ah, les deux points pour la psycho. Vers deux points de santé mentale, James. Quand nous étions, moi, à, à, à l'enterrement de, de Carla, il semblait aussi, dé, aussi désalenté que vous. Tenez. Vous pensez que c'est. Je regarde le verre d'eau que j'ai dans les mains. Vous pensez que c'est quelque chose que. On nous fait boire, vous mangez ici Moi, bon, euh, je pense que c'est la fatigue avec ce texte qui est complètement absurde je, sans que ni tête. J'ai l'impression d'avoir complètement oublié les, les deux derniers jours. J'étais je, je bah, en train de répéter euh, devant le miroir là-bas. Oui, oui. Et, et, et... maintenant bon, Pour je, vous dire combien le texte est absurde, souvenez-vous, James, du texte de Matt. Il parlait d'un calmar, je crois. Quelque chose comme ça. Oui, je ne, je ne sais plus, je ne, ne m'en souviens plus non plus. J'ai l'impression que ça fait des, des jours que je ne, je ne vous avais pas vu. Enfin, je Alors ne quoi. me souviens plus des répétitions, je ne me souviens plus. Alors, il est bien qu'on a essayé de, de vous joindre pendant quelques jours avec euh, avec Jeannette, mais vous ne répondiez pas. Effectivement, je je ça me doit plus. être sur le ménage où je... je repose mon verre d'eau. J'ai même oui. eu le temps de me refaire faire les dents, regardez. Ah, faire... oui. Vous ne voudriez pas quelque chose d'un peu plus fort, James Ça non, vous non, permettra non, non. de vous calmer et de vous remonter un peu le moral. Bah, je. Peut-être, mais dans ce cas-là, une bouteille qui n'a pas été entamée, alors, parce que je, je... je n'ai plus confiance. On, On m'a fait boire quelque chose. C'est obligé. Je. Je ne oh, être... Calmez-vous, ça doit être le surmenage. Ah non, je, je n'ai jamais été comme dans ça. le métier, voilà tout. Vous en verrez, je... croyez-moi. J'ai pris le texte que c'était si censé réciter et je regarde, si vrai, pouvoir... où est-ce qu'il a pu commencer à. À dire des insultes. Qu'est-ce qui a pu le faire sortir de ses gonds comme ça Ce vous que vous avez vu, c'est de... que c'était en fait euh, juste après le, le texte, justement, qui, qui faisait partie du script. Et il s'est mis à perdre la raison, c'est ce que vous avez pu observer. Et. Apparemment, Adrien, toi tu, tu vois comme ça dans son regard qu'il n'a pas les yeux rouges, euh, qu'il aurait pris euh, des substances illicites. Mmh. Mais euh, par contre, euh, voilà, vous avez été témoin que euh, il a commencé à dire des, des à citer des insultes une fois qu'il a récité hein, ce, ce texte assez euh, assez surprenant, complètement déphasé, décalé par rapport euh, à la situation et à cette scène. Des textes, pourtant, qui figurent dans le script, sauf les insultes qui ont, qui ont suivi. Oui, comme si ce texte avait réveillé euh, une sorte de... Enfin, l'avait rendu dans cet état et... Toi, Adrienne, en même temps, tu étais un petit peu préoccupé par, euh, par Nina, puisque, en fait, euh, quand tu l'as vue arriver euh, ce, ce matin, elle, est, elle paraissait... Euh pas vraiment triste pas figé démoralisé euh, paraissait aussi timide qu'avant mais, euh, mais on va dire euh, normal et elle ne t'a pas parlé du du père collins du père. Ouais. bah du coup je profiterai de, de ce moment pour peut-être la voir en aparté oui oui, bah elle, est, elle est à côté, elle fait une, une pause, elle prend, elle prend un café. Euh... Vous allez bien, Nina. Je... Oui. Vous avez eu des nouvelles de, du, du lieutenant Di Roupio, euh, sur le meurtre de, du père Collins De quoi le, le, mais le père Collins n'est pas mort. Hein. Je, je vais d'ailleurs euh, partir euh, pendant la pause préparer un, un pique-nique pour la, la paroisse auquel. Père Collins euh, va participer en fin de en fin d'après-midi. Mais Nina, mais va, vous, va, vous vous va très bien. bien. Mais bien sûr, je me sens bien. Mais je, je vous retourne la question. Est-ce que mais euh, nous qu l'avons faut... vu mort. Le lieutenant d'Irupio m'a. Bah, bah, enfin, vous l'avez bien vu euh, en soulevant ce drap. Vous étiez complètement choqué. Ce, ce drap. Après notre rendez-vous. Euh... On est, au on est fait... Oui oui, on était au restaurant. On est euh... et puis après, vous, vous souhaitiez euh me voir euh, chanter, euh, chantonner quelques quelques passages. Euh, et, oui. Euh, bon, c'est vrai voilà. que je, je ne suis pas très doué, mais euh, voilà, vous vous avez pu observer en effet, euh, voilà, mais quelques pratiques. Euh, et. Euh, mais non, je ne vous ai pas entendu chanter. Nous mais d'ailleurs avons euh, vu. Et, et même le père Colline c'était là, il a fait une apparition, et puis après, euh, j'ai dû vous laisser et vous êtes reparti. Je la regarde dans les yeux pour voir si ce qu'elle me raconte est. Et tu, vrai tu vois qu'elle qu paraît sincère, en tout cas, hein, dans ce qu'elle dit, dans ses propos. Mais vous voulez dire qu'il n'était pas mort sous ce drap avec ces espèces et de. Arrêtez trous, de dire. Euh... Attendez, je, vous m'inquiétez, je, je, vais, je vais appeler tout de suite. Donc elle, je vais appeler tout de suite le. Euh, le... Je m'assois une seconde. Oui, Père Collins, ah, je suis rassuré. Euh, euh, non, oui, oui, je suis complètement. Euh, J'étais un peu paniqué. Oui, on, on m'avait appris que vous aviez eu un accident. Tiens, bon, bah, tout va bien. Donc, il euh, n'y a pas de quoi s'inquiéter. Là, elle te regarde. Tu entends en même temps ces échanges. Elle, elle est juste à côté. C'est quoi Très bien. Très bien. Bon, bah, je suis, je suis rassuré. Eh bien, on se dit à tout à l'heure. Euh, de toute façon, j'arrive après le tournage. Merci, mon père. un raccroche. Euh, vous devriez, euh, je sais pas, faire... Euh, arrêter de prendre vos substances, euh, Adrienne. Vous jouez de moi, Nina, c'est ça. Arrêtez de me sortir de voici son, son numéro. Euh, Allez à l'église, vous le verrez. Mon euh, cher en, en qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Venez avec nous euh, pour, euh, pour le pique-nique. Je pense avoir vu sur tous ses os. Je es en train de perdre la tête, euh, Nina. Vous ah, au bout, loin, bout, oui, bout. Des, des sortes de hurlements. Okay, que ça. Moi, je suis assis, on a, la tête on, on a l'habitude, dans le dans, d'entendre des hurlements de coyotes. Ou de loups. Euh, bon, en tout cas, non, récemment, vous n'avez pas entendu dans... Dans, dans le studio ou à proximité des, des loups pour euh, quelques scènes que qu soit. Western, à côté alors à côté euh... donc vous êtes sur le plateau numéro 3 alors le plateau numéro 1 est inoccupé euh, le plateau 2 en effet euh, bon ils sont en train de monter euh, euh, un décor pour un western en effet hein. Euh, mais qui va commencer euh, dans un mois et demi. Et le plateau 4, par contre, il euh, n'y euh, avait pas d'activité, en tout cas ce matin quand vous êtes arrivé. Et il y avait un. Voilà, c'est le film de Roger Corman euh, qui est en train d'être réalisé. Un film, euh, voilà, Le règne du monstre. Ouais, vous n'en savez pas plus euh, spécialement. Ça pourrait venir de là? C'est en tout cas à proximité, euh, ça vient pas, tu sens pas que ça sente euh, ça, ça provient du, du, du studio, du plateau sur lequel vous tournez. Je vais en direction, moi, des bruits. Je vais voir exactement. Euh... Je t'accompagne, je sais que cette histoire. Viens, 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 avec moi, Matt. On va aller voir de quoi il leur tourne. Oui, enfin... Je jamais entendu de, de, de tels hurlements ici dans le coin. Oh, mais ils, ils sont peut-être en train de tourner quelque chose. C'est peut-être une bande sonore. Ouais, bah, on et... voir ça. Continuez à entendre ces, ces hurlements, en tout cas ceux qui sortent. Déjà toi, Matt et William. James, Janet, Ryan, vous, vous faites quelque chose ah, moi je suis assis abasourdi et je me tiens la tête entre les mains après ce que vient de me. après la confession de Jeannette et son coup de fil auprès du père Collins. Je, tu pourrais me faire un jet de santé, santé mentale. Ouais, parce que je comprends plus rien à ce qui m'arrive là. Et moi je suis à côté de lui, euh, en train d'essayer de me remettre aussi de ce qui m'est arrivé. Tu perds un point de santé mentale, Adrien. Ok. Janet, tu. Tu restes avec James et Adriane Tu peux ouais, boire un verre d'eau fraîche et je reste au studio parce que ben, les... les loups et les coyotes ça euh, m'aide pas forcément. William et Matt, à vous arrivez. Donc vous voyez que ça provient du, du plateau numéro 4. Où, euh... Oui, il y a apparemment, il n'y a pas grand monde, il y a quasiment personne. Vous voyez un technicien qui sort. C'est ah affreux, c'est affreux ce qui se passe. Ils sont en train de le dévorer. Quoi Quoi euh, Vous Quoi êtes -vous en train de tourner une scène. Euh, allons, allons, allô. Non, non, il n'y a personne. On était euh, avec mon, mon pote technicien. On était en train de monter euh, quelques, en train d'effectuer quelques ajustements au niveau euh, des, des éclairages. Mais c'est appelé Appelez vite, dit, euh, je sais pas, pas que... il faut. Euh, Quelqu'un a une il arme, quelque chose Je vais aller voir si nous nous ce qu'il leur tourne. Allons voir tout de suite. Oui, euh, ne perdons pas. Euh, euh, allez chercher à Adol, euh, Arnold Hull et, euh, et Jim Blasco s'ils sont là. Arnold Hull, vous ne l'avez pas vu de la matinée, et puis euh, Jim, vous l'avez vu sortir en effet euh, euh, pendant une pause. Quand vous arrivez euh, à l'intérieur, vous voyez. Euh, un décor ressemblant à un cimetière avec euh, quelques pierres tombales en polystyrène, des arbres morts et, et une machine à fumer qui commençait à se mettre en route. Et vous voyez le cadavre démembré euh, en train de se faire dévorer par une meute euh, une meute de chiens euh, enragés euh, qui sont en train de le de lui arracher des morceaux de, de peau, des morceaux de chair, euh, en train de lui dévorer les doigts. Visiblement, l'homme ne réagit plus. Il y a quelque chose à proximité, un, un extincteur ou quelque chose comme ça, ou euh, Aussi une, même un simple bout de bois. Euh, un extincteur, oui, vous en trouvez, hein, puis même, vous trouvez des, voilà, des, 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 des croix euh, en bois. Et vous voyez ces huit chiens qui sont en train de continuer à le dévorer. Je... Moi je m'approche avec les sangs, j'en fous une giclée, euh, j'en fous une giclée euh, sur les chiens pour qu'ils... Moi j'essaie de les frapper avec ma croix. Ouais vous pouvez euh, me faire chacun un jet de, de combat rapproché. Ah c'est raté. Pas mieux. Quand vous approchez d'ailleurs vous voyez le vous arrivez à observer le, le visage d'un des détectives. Et c'est le visage de Jim Blasco. Train complètement inerte, démembré, en sang. Les chiens vous vous observent. Il avait pas parlé d'un tech, Il avait parlé d'un technicien. Le technicien est... est... Et vous, vous le voyez pas en tout cas. Il y avait un autre technicien, mais il a parlé qu'il était avec un technicien, mais il n'a pas parlé que c'était lui la victime. Moi, je crie en même temps. à l'aide, Venez nous aider Il y a à un chien qui commence à, à te sauter dessus, euh, Matt. Oh essayé de te mordre. Ah, il t'a bien attrapé. J'essaie de le frapper. Alors, t'avais déjà que... essayé de le frapper juste avant. Est-ce que je pourrais arroser après avec l'extincteur euh, en foutant un coup histoire de, de faire euh, reculer te... les chiens Il te chope à la carotide, Matt. Tu, tu perds six points de vie. Tu es écroulé à terre. William, tu vois euh, le chi... un, un des chiens qui, euh, qui a agrippé euh, Matt euh, Gordon. Et il y a un autre chien qui essaye de, de te sauter dessus. Est-ce qu'on entend, nous, de là où on est, euh, les aboiements, les trucs comme ça Oui, vous entendez les aboiements, oui. On a crié au secours aussi. Ouais, ouais, j'ai crié aussi. Je... Qu'est-ce qui se passe ici Je sais pas, mais il y a des cris là, je... c'est bien ça, j'ai entendu. Allons-y, James, allons voir de... ce qui se passe. Oui. Euh, euh, attendez. Euh... Vous entendez ces aboiements euh... On dirait qu'il y a une meute de loups, de chiens, je ne sais pas, c'est comme dans. <laughs> J'essaye de. J'ai je surtout entendu Mat crier. Oui. En chemin, je prends quelque chose qui pourrait me servir d'arme. Je sais pas. Perche. Euh... Un, je me faire un jet de chance. Bon après, il y a des, euh, des croix en bois. Tu peux prendre une sorte de pieu. Là, voilà, t'en trouves assez assez rapidement. Voilà, tu perds pas de temps à en trouver. Euh, William, donc euh, tu, tu es face à ces. Euh, un des chiens a essayé de te euh, sauter dessus, mais il, il commence à partir en courant. Euh, les autres continuent à suivre, mais il y en a un qui continue à, essayer à dévorer euh, Matt Gordon. Je, je, je... je l'asperge de, de neige carbonique. Vas-y, euh, ouais, tu peux faire juste un jet pour voir s'il est défectueux. Euh, en combat rapproché Oui, combat rapproché, ouais. C'est rad, mais bon, de 2 De trois plutôt. Donc euh, il n'est pas défectueux, donc euh, ça marche tout à fait. Le, le chien commence à, à se dessaisir du, du coup de, de mat. Il commence à avoir peur. Il commence ah à sortir. Il ah 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 oh 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 y avait un des techniciens qui était armé, qui commence à essayer de tirer sur... Euh sur ce, ce chien. Et il arrive à le, à le toucher. Il est à terre. Il se rapproche vers lui à nouveau, à nouveau du chien, et puis euh, il euh, l'achève. Il Les autres chiens sont partis en courant. Ils ont réussi à s'enfuir. Et quand vous arrivez, euh, Janet... Euh, James Adrien, vous voyez cette meute de chiens. D'ailleurs, vous êtes avec l'équipe technique. Vous êtes précipité, en effet, en courant. Vous voyez cette meute de chiens qui commence à, à passer au travers de vous et qui commence à s'éloigner. Bah, moi, je vais me précipiter vers. Oh Qu'est-ce que c'est que, que, -ce que ça va Est-ce que ça va, James, Matt, j'essaie de lui faire les premiers soins. Un... Appelez les secours, vite mais qu'est-ce qui s'est passé Mais qu'est-ce que Pourquoi ces bêtes sont-elles rentrées ici Ceux qui assistent à la scène, bien sûr, peuvent faire un jet de santé mentale. Des... C'est-à-dire tous. Euh, parce que moi j'étais. Ouais, enfin bon, ah, t'étais pas mais... là Ah, d'accord. Bon, si, si, si parent... mais en chemin. Ce que vous voulez essayer de faire, c'était de prendre un fusil. J'imagine, je, je, ça m'a pas pris trop de temps. Comme je sais tirer. Ouais, ouais. Alors euh, si tu l'as dans ta voiture ou dans ta loge, je sais pas. Euh, je cherchais sur le plateau et puis finalement je rejoins les autres. Donc un peu, un peu avec du retard. Euh... Quand... Ouais, mais bah en fait tu vois les la meute de chiens qui s'éloignent. Il y a sept chiens qui s'éloignent. Les autres se sont précipités. Et les chiens se, se passent à travers eux. Et tu vois ces chiens qui commencent à s'éloigner. Ils sont à une quinzaine de mètres de toi. Au même moment, qu'est-ce qui les a attirés ici? Cette bête, c'est pas possible. Laissez-moi voir. Je Je m'y connais un peu, Matt. Je... Laissez-moi Laissez voir. Il l'a touché à la gorge. Regardez, bah oui, je, je sais comment faire. laissez-moi, Il faut, il faut, je, je, je m'y connais un peu. Les je, je vais m'occuper de lui. Appelez oui, un médecin Viral, Bertie, venez, appelez la police Appelez un médecin Une Moi j'essaye de me souvenir de mes... De mes quelques... De mon année de médecine. Vas-y, tu peux... J'ai avorté, j'ai fait, euh, fait 26. Vas-y, tu, tu vois qu'autour, les, les secours sont... On vous informe, les secours sont en route. Le réalisateur oh, est près de toi, oh, Matt, et il t'observe... Oh, oh. Tiens bon Matt, on va te sortir non, de là. N'essaye pas de parler, tu, tu peux t'abîmer les cordes vocales. bon sang. Oui oui c'est bon, c'est fait, ça, vous voyez ça, ça va déjà mieux. Ça va déjà mieux. <laughs> Il arrive en, Matt, en tout cas à, à stopper, à mettre une pression justement sur... Mais voilà, faut en tout cas continuer à exercer cette pression. Les secours, ils arrivent, oui. Qui, qui, qui a bien pu attirer ces chiens ici Ils sont pas venus comme ça. Moi, je vais, je vais regarder si on voit des traces de chiens, s'il y a des odeurs, s'il y a des des traces. Oui, bah tu. Et voir la direction bah, où ils ont fui, quoi. Bah de toute façon, tu, tu l'as aperçu. Bah, tu l'as vu où ils ont, où ils sont partis. Ils sont partis en courant euh, en direction euh, de, de la sortie des, des studios. Eh ben, j'essaie d'aller dans leur direction, quoi. J'essaie Et... en gros de les rattraper. Euh... Vous voyez, James, ça ressemblerait presque à ce que vous avez dit dans votre texte tout à l'heure. Un cimetière. Des, euh, des amis du cimetière, des hurlements. Ouais, c'est exactement ça, c'est comme si quelqu'un avait essayé de reproduire ce qu'il y avait dans ces textes maudits. Je, je ne sais pas, ils ont dû les attirer ici avec de, avec de la viande, mais pourquoi se sont-ils jetés sur... Enfin, c'est incompréhensible. Pourquoi sur Jean Blasco Qu'est-ce Et... qu'il venait faire ici L'autre est déchiqueté euh, complètement. Ah oui, complètement déchiqueté, oui. Vous, vous connaissez tous euh, le détective privé. Il Devait assurer votre sécurité. Ce que vous ne voyez, vous n'avez pas vu d'ailleurs son, son coéquipier de, de la journée. Adrien, quand tu sors, tu, tu, tu cours bien sûr. Tu as vu les chiens partir, tu cours en ces directions. Euh, tu vois Janet qui arrive avec son fusil. Et puis bah, je, je vous propose qu'on s'arrête là, on reprendra. Pour la petite poursuite euh, <laughs> dans deux semaines. Janet, posez votre arme tout de suite. Déjà parti. Je vais, s'il y a un technicien qui est dans le coin, je vais lui montrer puis je vais lui dire comment il faut tenir le, le tampon que j'ai fait sur la gorge de Matt. Mais bon, logiquement, ça va, ça va déjà mieux. Et elle peut pas rester comme ça une semaine quand même! Mais non, dès, dès, ça va déjà mieux! Ah. Ça va déjà Allez, mieux, c'est un trou! Ah, logique, un logiquement, avec boxe. le test de médecine réussi, euh, euh, si tu passes la nuit, tu vas récupérer 1 euh, à 3 points de vie. Oui, un des 3. Oh, Mais si, si tu passes la nuit, bien sûr. Si tu passes la nuit. <laughs> Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer. Sur un test de chance extrême, tu passeras la nuit. Ah, une fois que j'ai cédé la place, <laughs> je vais aller sur le corps de de, de Jim, là, le détective, et puis mm. euh, j'essaye je... de fouiller dans ses poches pour voir si je trouve son arme. Ah bah bravo. Ouais, ouais tu vois qu'il a... a toujours son arme. Il a ah, toujours je... son arme sur lui. Je la, je la prends. Je Il met en risque euh, l'oncle Walt pour... Ah non, mais si je dois partir après à la suite euh, des... Vous qui courez là, comme des dératés après des après plus des chiens. chiens pour on ne sait quelle raison. Non, moi je comprends, j'ai plus l'âge de courir après les chiens. J'ai plus l'âge de courir après les chiens. Il <laughs> <laughs> n'y a pas d'âge. Ça, hein. c'est une réplique. <laughs> c'est la réplique. Qui sont les chiens Des bêtes ou les acteurs <laughs>